Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Facebook Live de cette 8e semaine de confinement. J'ai un énorme plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'un grand coach français qui est basé aux États-Unis, Adrien Morque. Salut Adrien. Salut, comment ça va? Alors ça va très bien, j'ai marqué en titre en fait Monsieur 59, tu vois, sur l'affiche parce que tu as quand même réalisé quelque chose que très très peu de joueurs professionnels qui ont eu des grandes carrières n'ont jamais réalisé, un score de 59 en tournoi professionnel sur un par 72. Donc c'est important de le préciser parce que des fois tu peux tomber en tournoi sur des jeux. Alors c'est un par 71 qu'on a, non c'est un par 72 qu'on a joué en par 71 pour le tournoi. Mais d'habitude c'est un par 71. Mais c'est vrai que moi j'ai eu une petite carrière, mais j'ai fait un 59. Donc 59, donc du coup ce jour-là c'était un score de moins 12 ou c'était moins 13? Moins 12. Moins 12, Moins ok. 12. Parce qu'en fait le 11 c'est un par 5 et on l'a joué en par 4 pour le tournoi. Ok, top, top. Donc, moins 12. Moins 12 sur une journée, c'est absolument incroyable. Je pense que, tu vois, les personnes qui nous regardent déjà en rêve, tu vois, c'est genre le rêve, ça, moins 12, c'est déjà, c'est un score qui paraît très, très difficile à atteindre. Je voudrais revenir déjà pour commencer là-dessus, en sachant que dans ce Facebook Live, ce qu'on précise, c'est que on va parler de pas mal de choses parce que Adrien, justement, a eu une carrière golfique absolument remarquable avec son passé de joueur sur le circuit européen et ensuite cette transition aux États-Unis où tu es passé par le système universitaire en tant que coach. Donc tu as commencé en tant qu'assistant coach et aujourd'hui tu es toujours assistant coach mais un peu plus proche. Enfin, tu me parleras des différents postes qu'il peut y avoir parce que un assistant coach c'est pratiquement, enfin peut être un peu à la même hauteur qu'un head coach pratiquement aux États-Unis. Et justement, je trouvais que c'était hyper intéressant de t'avoir Adrien avec nous pour parler de ce système universitaire, de parler de la différence entre le monde professionnel tel qu'on le connaît en France, les jeunes joueurs en fait qui décident de passer pro très jeune à l'âge de 17-18 ans, et ensuite les joueurs qui plutôt décident de passer par ce chemin universitaire pour aller découvrir en fait une autre façon de passer pro, si c'est l'objectif du joueur. Donc du coup, on parlera un petit peu de ça, on parlera un petit peu aussi de cette philosophie américaine du sport, parce qu'on sait que le sport aux États-Unis et notamment dans l'université, c'est une présence absolument énorme, gigantesque, quelque chose que nous, on ne connaît pas encore en France et ni en Europe d'ailleurs, hein. C'est pas uniquement en France, mais en Europe, y a pas cette même culture que les États-Unis, en tout cas c'est très différent. Mais d'abord, pour en revenir un peu sur ce score de 59, parce que j'imagine que tu t'en rappelles comme si c'était hier, cette partie de golf où tu joues au moins 12. Qu'est-ce qui se passe sur le parcours à ce moment-là où tu te rapproches des 4 à 6 derniers trous? Est-ce que le score de 59 te vient à l'esprit? Est-ce que tu te dis, tiens, je le vois, c'est quelque chose que je peux voir à la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte? Ou est-ce que tu n'y penses pas et tu arrives à rester dans le moment présent? Qu'est-ce qui se passe sur les 4-5 derniers trous? Alors, je suis dans le moment présent et je suis au deuxième tour d'un tournoi. Donc derrière, il reste encore deux tours. Donc je sais que je suis pas loin de 59, mais c'est pas un objectif premier. L'objectif premier, c'est de faire un maximum de birdies. Mis à part ça, à mon 16e trou, je sors la carte de score pour compter, pour voir où j'en étais. Et je sais qu'il me faut birdie au 17 et birdie au 18, qui est en fait le trou numéro 8 et le trou numéro 9, parce que je suis parti au 10. Et je sais qu'en faisant ces deux birdies, ça fait 59. Donc j'ai pas plus de pression que ça sur le 59 parce qu'il reste encore deux tours et je joue très bien et j'essaye de faire un maximum de birdies.
Et j'ai pas trop de pression parce que ces deux trous sont pas très compliqués. Et il y a deux coups de wedge, il y a driver wedge sur ces deux trous. Donc je sais que je serai pas très loin du drapeau, quoi qu'il arrive. Et donc du coup, j'ai pas trop de pression sur 59. C'est assez incroyable quand même, parce que du coup tu dis que t'as pas trop de pression, mais tu as quand même le trou numéro 17 et le trou numéro 18 qui arrivent, où il faut que tu fasses birdie pour avoir ce score de 59. Donc tu as réussi à la fois à compter ton score, à savoir où tu en étais, et à te remettre Ouais. dans le moment présent, et à être en quelque sorte dans un mode assez relâché en te disant, bah voilà, moi je suis focalisé non pas forcément sur le 59, mais sur le reste du tournoi qui reste à jouer. Et il me semble, corrige-moi si je me trompe, mais je sais pas si c'est le lendemain ou le jour d'avant où tu as joué 62 aussi. Ouais, je fais 63 le premier tour et 59 derrière, ce qui fait qu'avec 122 coups, j'ai toujours le record du monde sur 36 trous sur n'importe quel tournoi du PGA Tour. Donc ça, c'est sympa. C'est bon Et ça. surtout que celui qui avait le record d'avant, c'était Tiger Woods avec 124. Donc Ah ouais. voilà, ça, c'est des très bons souvenirs. Après le T'as troisième reçu tour, une plaque du Guinness, parce que est-ce que c'est entré dans le Guinness World Record ou pas? alors j'ai rien Ah, reçu. t'as pas checké parce que tu sais Non, que t'as j'ai pas un record du checké. monde, D'accord. t'as. Ok, bah tiens, je vais passer un coup de fil après. Ouais. Tu vois? Parce Je vais que recevoir quand tu ma fais un petite record plaque. du monde, on t'envoie. Enfin, du coup, ça rentre dans les Guinness World Records. Et Ouais. tu reçois une plaque, en fait, avec justement Ok. ton record du monde dans le Bon, alors domaine, en je fait. savais pas. Et si Ok. c'est un tournoi Alors par contre. professionnel où ça a été enregistré, bah, du coup, Ouais, voilà, ouais. Eh bah et on le écoute, rappelle, c'est un tournoi du cercle. j'ai de la place sur mon mur, donc tu vois, ça tombe bien. C'est un tournoi du Et cercle alors. européen, hein. C'est ça, hein. C'est un tournoi du cercle Non, européen. Challenge Tour. Challenge Tour, Challenge Challenge Tour, Tour. pardon. C'était le Tikida Marocain Challenge Tour Ok, classique. donc Challenge Tour, deuxième division Ouais. européenne en 2000, Ouais. c'était en 2006. 2006, ok. Et 2006, ouais. donc, ok, donc 59 ce jour-là, 63 le jour d'avant. Ouais. Donc on parle souvent, tu sais, les amateurs parlent souvent sur le parcours, de stress, les pensées positives, les pensées parasites qui peuvent arriver, les moments où ils jouent mal et donc du coup mentalement ça va pas trop bien. Mais l'effet inverse est aussi possible, c'est-à-dire que quand on joue tellement bien, on veut continuer à bien jouer au golf, on vient d'enchaîner une série de birdies comme toi tu l'as fait sur ce parcours de golf. Alors pour le comparer à un jeu amateur, ça peut être par exemple, je sais pas moi, l'amateur est dans une situation où il va battre son record de parcours, ça peut être la première fois qu'il joue dans les 70, tu vois, il veut battre le parcours en dessous de la zone des 80. Mais il y a un moment où tu arrives et que tu te sens tellement bien, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'enchaîner par exemple sur 7 birdies d'affilée, seule fois où ça m'est arrivé. Et je sais que j'étais dans une zone en fait pendant ces 7 birdies où c'était presque comme si j'étais en pilote automatique, ce que certaines personnes peuvent appeler un peu la zone où tu es un peu, voilà, tu es complètement présent à travers tes sens, tu laisses un peu le swing jouer, tu n'as aucune clé technique, tu es juste en train de jouer, tu visualises la trajectoire et tout se passe en fait mieux que tu veux en fait, tu vois, Ben en c'est. fait, c'est exactement ça. Ouais. J'étais dans la visualisation et j'étais en pilote automatique où j'étais relax parce que je jouais bien. Et je faisais la seule chose sur laquelle je faisais attention, c'était la visualisation. Donc, je prenais vraiment du temps, peut-être un peu plus que d'habitude, pour vraiment visualiser la hauteur, la trajectoire, où est-ce que je voulais commencer le coup, où est-ce que je voulais que la balle finisse. Et à ce moment-là, j'étais assez relax et du coup. J'avais juste un swing thought, une pensée technique, c'était de commencer mon geste assez doucement. Parce que mon défaut, c'est d'arracher un peu le club comme beaucoup de personnes. Et donc, du coup, quand je suis sur le parcours, j'essaie de rester simple et voilà, de commencer vraiment le mouvement tranquillement, ce qui me permet d'avoir le haut du corps, le bas du corps qui démarre en même temps. Et voilà, c'était ma seule clé technique. Mais le vrai truc dont je me souviens, c'était la visualisation, comme tu viens de le dire. Est-ce Et qu'il y donc, a un j'ai moment joué dans la. moins 8 sur les 7 derniers trous, parce que je fais Waouh! eagle et 6 birdies pour finir. Waouh! Incroyable! Et est-ce qu'il y a un moment dans ces 2 journées où justement les choses se passaient tellement bien? Parce que ça nous arrive à tous, on est humain, où à un moment où les choses se passent toujours bien, qu'il y a un moment où tu te dis, il y a quelque chose qui va pas aller, quoi. Tu vois, il y a un truc qui va se passer, qui va faire que ça va. Tu vois? Et moi, après les 7 birdies que j'avais effectués, j'étais arrivé sur le trou numéro. Pareil, c'était sur le retour. Je crois que c'était le trou numéro 14 ou 15 du parcours où je jouais. Et là, tout d'un coup, tu vois, je suis en position de birdie pour faire mon 8e birdie de suite. Et là, je me dis. Ouais. Et c'est là où tout d'un coup, je commence à penser Tu justement au réalises. fait. Ouais, Ouais. c'est ça.
Tu réalises. Mmh. C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu réalises. Ouais, mais en fait, ouais, Donc, donc bah, est-ce que toi, ça t'est c'est arrivé? humain, Est-ce que toi, hein. ça t'est arrivé pendant ces deux journées-là? Et si oui, si ça t'est arrivé, qu'est-ce qui t'a permis de continuer en fait à bien jouer, à connaître ce mode de performance incroyable et de justement finir avec ces deux scores de 63 à 59? Alors, je passe le deuxième jour quand je fais 59, je passe à l'aller en moins 6. Et au trou numéro, mon dixième trou qui était le trou numéro 1, je fais virgule pour birdie. Donc je suis un petit peu agacé, mais sans plus. Et là, je vais au trou numéro 2, où en fait, je fais qui est mon onzième trou, je fais un double bogey. Je mets un coup de fer 6 qui est venant du rough, qui sort à peine fort. Le drapeau était au fond. La balle pitch fond de green, les greens étaient très durs et elle roule derrière dans les buissons. Au final, je suis obligé de prendre un drop et je loupe un petit putt, je fais double bogey. Donc là, j'étais vraiment très très frustré. Parce que tout se passait bien, je tapais bien, et sur ce que moi je pensais un bon coup de fer, je vais 2 mètres trop long et je me retrouve avec un double bogey. Donc vraiment un peu piqué, et j'ai réussi à le transformer en positif. C'est-à-dire que du coup, ça m'a piqué, je me suis dit, ah ouais, je fais un double, et bah attends, bouge pas, prochain trou, c'est eagle. C'est ce que j'ai fait, elle tape le poteau pour faire. J'ai failli faire deux sur le trou. Donc du coup, j'ai été un peu plus agressif avec le drive, je pense que j'ai eu un peu plus d'adrénaline, le coup est parti un peu plus fort. Et sans trop le savoir, du coup, ça m'a porté. C'est certainement ce qui a fait que j'ai fait 59. En fin de compte, si je fais passe double, je suis peut-être pas piqué et je refais certainement un 63-64 comme la veille. Mais je vais peut-être pas chercher aussi bas, du coup, à vouloir mieux faire et à vouloir me rattraper et Oui, donc finalement, faire bien. si le double bogey n'est pas là, peut-être, bon, sait-on jamais, hein, de toute façon, Certainement, hein. on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que ce double bogey t'a permis de faire, c'est ça t'a permis un petit peu de passer en mode un peu plus Ouais. offensif Restart. Ouais. et restart. Et on parle souvent du bouton Ouais. reset. Tu Ouais. vois, dans le coaching mental, on parle d'avoir la capacité sur chaque trou de pouvoir faire ce reset et de voir chaque trou comme un nouveau trou, limite chaque trou comme le trou numéro 1. Ouais. Et donc du coup voilà, c'est là tu sors de ce double bogey et puis là c'est ok, je passe en mode offensif. Et puis est-ce que les choses vont, parce que moi c'est pareil, quand j'ai fait cette série de 7 birdies, est-ce que les choses vont très très vite quand tu enchaînes sur les 8 derniers trous? Tu m'as dit que tu avais joué moins 8, non, tu joues moins 8 Je sur fais les moins sur les sept eagle, dernières. ouais. Je Donc là tu joues moins 8 fais sur les eagle sept. et six birdies, ouais. Donc à peu près en 1 heure et demie, 1 heure et demie de temps de jeu sur ces derniers 7 trous. Est-ce que les choses pour Ouais. toi ralentissent à ce Elles moment-là ou est-ce que les ralentissent choses vont très énormément, ouais. vite? Elles ralentissent énormément. Non, ralentissent et c'est ce qui fait que je m'en souviens presque minute par minute et je peux m'asseoir là pendant 1 heure et demie, je vais revivre la même chose. Donc je pense que c'est ce que des gens appellent la zone. En fait, j'étais dans la zone et j'étais calme, j'étais confiant. Et je te dis, j'ai fait un effort extra au niveau de la visualisation. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. T'as fait un travail avant ce tournoi sur la visualisation avec un coach. Est-ce que tu t'entraînais au practice à reproduire cette visualisation? Et surtout, comment tu visualisais le coup? Parce que tu sais, il y a des personnes qui aiment bien visualiser une couleur lors de la trajectoire. Il y a des personnes qui aiment bien voir visualiser le point de chute. Quelles sont les choses que tu as visualisées? Alors, ouais, bien sûr, je m'entraînais au practice pour sentir ça. Et en fait, moi, ce qui me parle, c'est la hauteur. Donc, je vois par exemple dans le ciel, voilà, une fenêtre, ma balle, elle va passer par là. Et c'est ça qui me parle. Donc, du coup, mon dernier regard, au lieu d'être au drapeau où là où je veux finir, il est plutôt là où je veux passer. Et cette fenêtre, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que souvent, des bons joueurs, des gens très doués, quand ils sont dans les arbres et qu'ils n'ont pas trop le choix, ils réussissent le coup parfaitement. Et quand ils sont au milieu de fairway et qu'ils ont des milliers d'options, ils ont du mal à se concentrer et du coup la balle va pas aussi bien que s'ils avaient qu'une seule option à travers les arbres. Moi j'ai appris en jouant dans les arbres parce que je m'étais jamais de mise en jeu sur le fairway. Donc tu vois ce Donc que je veux quand je dire, me t'as retrouvais pas. sur le fairway, je savais plus quoi faire. Ouais. J'avais plus quoi faire. Mais ouais, je vois tout à fait cette visualisation des fenêtres, des 9 fenêtres. Tu peux avoir des trajectoires basses, normales et un peu plus hautes, et puis après suivant la trajectoire que tu as. Absolument, ouais. D'ailleurs, Tiger en parle souvent de ça, de cette trajectoire dans les 9 fenêtres et de visualiser des box. Ouais. Donc c'est un peu ce que toi tu faisais sans forcément. Alors tu vois, ce qui est rigolo, c'est que je me souviens ce jour-là, il y avait quelques nuages dans le ciel, et donc je pouvais m'appuyer sur les nuages. Donc tu vois, pour te dire, je me souviens de tous les détails. Et donc les nuages dans le ciel m'aidaient, voilà. Je sors côté gauche du nuage, je vois un peu plus haut, un peu plus bas. Ça c'est génial, c'est la première fois que j'entends ça. C'est donc tu t'appuies sur les éléments qui sont à ta disposition pendant cette partie-là. Les nuages, Ouais. donc tu es derrière la balle, tu visualises ta trajectoire de balle qui part sur un côté du nuage,
Et est-ce que quand tu es devant la balle, du coup, quand tu es devant la balle et que tu es dans le moment où tu vas jouer, effectuer ton coup, est-ce que tu regardes ta cible ou est-ce que tu regardes la cible, est-ce que tu regardes le trou, là où tu veux que ta balle, ou est-ce que vraiment tu es focalisé, encore une fois, tes yeux sont pointés vers la cible virtuelle que tu t'es mise? Ouais. Alors, dans un premier temps sur la balle, je regarde la cible, mais mon dernier regard, et c'est ça qui est important, mon dernier regard est là où je veux passer dans la fenêtre. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve par exemple au putting sur un putt gauche-droite. La mauvaise tendance, c'est de finir le dernier regard au trou, et donc du coup, on a tendance à pousser à droite. Et c'est vraiment important d'avoir le dernier regard là où on vise et non pas là où on veut finir. Et c'est un peu ça l'idée en fait, c'est que mon dernier regard, il va sur là où je veux passer et pas là où je veux finir. J'adore, j'adore. Alors, tu es évidemment donc déteneur du record du monde sur deux tours 63-59. N'oublie pas Ouais. d'appeler Guinness derrière. Hein. Tu contactes Je vais le Guinness World faire. Records. Tu m'enverras la photo. Hein. Tu m'envoies la Ouais, photo. je t'enverrai la photo. Ouais. Et donc du coup, moi je le ferai juste après le. Tu vois, juste après le live, je les appelle Ah, du mais coup. grave, mais je vais le faire, c'est sûr. Et donc du coup, il y a Et aussi ils le vont me dire moment. non, non, on remonte pas plus que Ouais, c'est 10 ans en ça. arrière, Ouais, c'est dommage. c'est plus valable. C'est plus valable. Ouais, refaites-le. mais si tu as connu dans ta carrière de joueur, comme tous les joueurs à la fois pro et amateur, des moments où les cartes n'étaient pas à la hauteur de ces cartes-là, où ça, les moments où étaient un peu plus compliqués. Et donc dans Bah, ces clairement, cartes-là. le lendemain, en fait, hein, je fais 74 le lendemain. D'accord. Donc, clairement, je passe à Qu'est-ce qui se passe l'aller alors et dans ces je 60? galère énorme à l'aller. Je passe, je crois, en plus 4 ou plus 5. Enfin, je mets pas une mise en jeu sur la piste. Enfin, c'est vraiment c'est compliqué parce que la veille, je visualise et mon corps, il fait exactement ce que je lui dis. Et le lendemain, je visualise, mais la balle, elle sort 30 mètres à droite. Donc, soit je rattrape avec les mains, je loupe tout à gauche, soit je fais des gros pushs. Enfin, l'aller, c'était l'enfer. Et en fait, sur ce tournoi-là, la chose dont je suis vraiment très fier, au fond de moi, c'est ces 9 derniers de ce troisième tour qui me permettent, en fin de compte, de gagner le tournoi. Parce que quand tout va bien, c'est facile de faire des birdies, j'ai envie de dire. Par contre, quand tu galères, je crois que j'ai ramené moins 2 sur ces 9 derniers et j'étais vraiment pas dedans. Et là, je me suis battu à rentrer des chips, des longs putts. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et en fin de compte, au fond de moi, là, je suis fier de m'être battu quand c'était vraiment, vraiment très dur à ce moment-là. Ça, j'en parle tout le temps avec les amateurs Ouais. et surtout les amateurs qui ont des ambitions de devenir pro, en leur disant quand tu vas sur un parcours de golf et que c'est pas ta journée, c'est à ce moment-là justement il faut que tu te battes pour apprendre à sortir des scores qui vont te permettre en Ouais. fait d'être en position pour le dimanche comme toi. En l'occurrence, Exactement. et comme tu dis, le golf c'est un plaisir énorme quand tout se passe bien et comme tu veux. Et le lendemain, donc toi tu passes vraiment du 59 au lendemain sur les 9 Ouais. à l'aller où ça se passe pas du tout comme tu veux. Et avoir cette capacité Ouais. mentale de te battre et de te dire bon, bah voilà, aujourd'hui c'est pas une journée comme hier, mais. Et donc les joueurs amateurs en fait ont cette vision des joueurs professionnels qui sont tout le temps réguliers en fait. Tu vois, genre tous les jours, c'est quand ils jouent bien tout le temps, tout au long de la semaine. Et en fait, il faut Ah savoir que oui. sur un tournoi de golf, tu vois, tu peux passer par des hauts et des bas. Et donc, durant cette allée-là, parce que tu disais que le samedi, donc ce troisième tour, que tu visualisais la même façon que le vendredi, mais que la balle, elle sortait à droite. Alors, de ton point de vue, parce que moi, je parle toujours des quatre piliers de la performance sur un parcours de golf. Il y a l'aspect physiologique, donc physiquement, comment tu te sens, si t'es bien ou pas, mental, stratégie de jeu et technique. Est-ce que tu as identifié sur cette allée, quand les choses ne sont pas passées comme tu veux, la différence entre cette allée-là et le jour d'avant, sur quel pilier la performance, qu'est-ce qui n'allait pas finalement? Ouais, alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Challenge Tour, d'habitude, il n'y a pas trop de monde qui suivent. Et là, évidemment, j'ai beaucoup de monde qui m'attendait au départ du 1. Donc, déjà, inconsciemment un petit peu plus stressé. J'avais 10 points d'avance à ce moment-là. Il restait 2 tours. Donc, c'est rien du tout, mais c'est beaucoup. Et donc, du coup, je pensais à la victoire. Clairement, j'étais plus du tout dans le moment présent. Ce que j'avais réussi à faire la veille, être calme et être dans le moment présent, mais j'étais plus du tout au départ du 1. J'ai eu pas mal de médias qui m'ont appelé c'est moi qui ai fait l'erreur, Le mais vendredi du coup j'ai soir? un peu Le tronqué vendredi soir? le vendredi soir et le samedi matin. Donc voilà, c'est que mon échauffement a pas été bien fait parce que je me souviens, j'étais avec des Japonais, j'étais avec un média japonais au lieu d'aller faire mon truc de putting. J'aurais dû leur dire, attendez, on se rappelle. Mais bon, j'étais dans l'enthousiasme, mais Ah, ça je l'ai c'est pas très vrai, bien ouais, c'est géré. ça. D'accord. Et donc du Mais coup, je suis arrivé au départ tu et n'avais pas anticipé ce qui allait se passer après le succès de ce Ouais. 59
Et tu as un peu, puisque du coup tu ne l'avais pas anticipé, les choses externes que tu ne contrôles pas vraiment, donc les médias et tout ça sont arrivés, et ça a Exactement, influencé ce ouais. qui s'est passé le samedi à l'aller. Est-ce que, et en fait, j'ai mal fait mon échauffement, et avec du recul, je sais exactement ce qui s'est passé. C'est que j'étais un peu plus tendu. Quand je suis tendu, j'ai une moins bonne rotation d'épaule, et il manquait quelques degrés. Et quand j'ai pas ces degrés-là, ben, je fais que des pushes parce qu'il me manque. Voilà, il manque ce release que j'ai naturellement. Donc, je sais exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'à ce moment-là, ben, voilà, plus je faisais des mauvais coups, moins j'étais dedans. D'un coup, le doute arrive. Tu te dis, c'est pas possible. C'était censé être ma semaine. Et puis là, je vois le leaderboard. Tout le monde me rattrape. Ça a été compliqué. Et au retour, je me suis dit, allez, là, c'est parti. Faut arrêter de pleurer. C'est, t'as le choix, en fait. C'est soit tu pleures et tu gagnes jamais le tournoi, soit on va au combat. Et puis, c'est parti. Et pareil, j'ai réussi à me remotiver. Et c'est vrai qu'au retour, ça s'est beaucoup mieux passé. Et pour la petite histoire, c'est qu'en fait, à trois trous de la fin, donc ça, c'était le dimanche. Donc je fais 69, mais bon, sur le Challenge Tour, il faut envoyer du lourd. Et on était trois co-leaders à trois trous de la fin. Et en fait, je fais un birdie au 17 et un très bon par au 18 pour gagner d'un point. Mais même là, il a fallu que je me batte. Et je me répétais dans ma tête, c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est mon tournoi. Il n'y a pas moyen que je gagne pas. Et au 17, je fais un très bon birdie. Et je me souviens au moment de putter, juste avant de putter, je me mets en confiance. Je me dis, non, mais c'est ton tournoi, tu vas le mettre, c'est sûr. Vas-y. Et du coup, voilà, j'ai C'est prêché marrant, là. Jeff Quicken parle de la même chose quand il Ouais. gagne le Mega Masters, donc qu'on a eu la semaine dernière en live, et quand il parle de sa victoire, il dit Ouais, super joueur, Jeff. j'arrêtais pas de me répéter, c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ma semaine, c'est ma semaine. Enfin, tu vois, les mêmes choses que tu es en Ouais. train d'indiquer. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment des points en commun Ouais. sur les grands joueurs quand Et vous puis êtes tous. super, super mental, Jeff. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé peu de fois. Lui, ça lui est arrivé plein de fois. On est de la même génération, donc moi, j'ai grandi un peu avec lui en amateur. Et c'est vrai qu'il niveau mental, il était très fort. Et ça, il arrivait toujours à se dire. Je me souviens, c'est marrant, d'un Open de Besançon. Il s'en souvient certainement pas. On devait avoir 17, 16 ou 17 ans. Et il avait fait le cut, je crois, en rentrant un chip au 17 et en faisant un birdie incroyable au 18. Et que au mental, quoi. Il disait, non, je vais le faire, j'y vais. Ouais. Le J'adore ce que mental, tu ça a dis sur, évidemment une part très très importante. j'adore ce que tu dis en revenant sur le vendredi soir. Voilà, tu fais ton 59, Ouais. tu es complètement dans le moment présent, tu visualises la trajectoire avec tes nuages que tu avais au moment où tu tapes ton coup. Donc tu étais complètement présent à travers tous tes sens, à travers la visualisation. Et juste après le parcours, quand un joueur en fait n'avait pas anticipé un tel score ou un tel succès, où il peut se laisser Ouais. rattraper par les éléments externes qui arrivent. Donc là, les médias qui t'appellent le vendredi soir, qui commencent à te féliciter, tout d'un coup, inconsciemment, ça commence à monter un peu. Tu commences à peut-être réaliser ce que tu viens de faire, parce Ouais, que c'est maintenant, tu as ça. les gens qui commencent à te le dire. Le lendemain matin, au lieu d'éteindre le portable, bah, tu vois, tu es avec les médias Ouais, toute la asiatiques, soirée, et toute la ouais, matinée. juste Hein. avant d'attaquer toute la matinée, parce que tu joues du coup plus tard le samedi. Puis là, tu arrives Ouais. sur le trou numéro 1, puis là, donc, tout d'un coup, tu as plus de personnes que la veille. Et là, tout d'un coup, ça Ouais. commence à monter un peu, à monter un peu. Et peut-être que... Et j'essaye de m'isoler en plus. Je m'isole et j'avais des techniques de respiration et je m'en souviens très bien. Je m'assois sur un banc, je commence à essayer de faire les techniques de respiration, mais C'était c'était trop. trop. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, c'est... Et ça, c'est... J'en parle souvent de la puissance de l'anticipation. Tu vois, de pouvoir en fait anticiper tous les scénarios possibles, que ce soit dans Ouais. les bons et dans les mauvais. Exactement. Et souvent, avec mes joueurs, j'essaie justement d'instaurer cette notion d'anticipation pour que quand les choses se passent bien, ben voilà comment continuer à ce que les choses se passent bien. Et quand les choses vont moins bien, comment revenir dans une phase où des fois il y a des Ouais. journées où il va falloir se battre, comme le samedi où tu l'as très bien fait. Et le samedi après cette allée, je pense que tu vois la façon dont tu es en train de le décrire, c'est ben, au bout d'un moment tu t'es réveillé, tu te dis bon, non, c'est pas possible, Ah, on y j'ai va. passé, tu Ah. vois, c'est ça, je vais pas laisser passer ces 2 journées de dingue que je viens de passer Ouais. là. Et puis là, c'est là où tu te remets un peu plus en mode joueur. Et plus en mode, c'est plus les éléments externes tu reviens dans le interne et tu élimines un peu le externe. Donc c'est génial de pouvoir écouter comment tu décris chaque journée, tu vois, les bons comme les moins bons, et surtout de voir comment le dimanche Ouais. tu arrives, parce que tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu arriver le dimanche sur les derniers trous en pensant toujours au jeudi vendredi, en se disant, mais putain, c'est pas possible, j'avais 10 coups d'avance, et puis là, je me retrouve à être, tu vois, enfin, égalité ou co-leader. Et puis là, tu vois, enfin, tu peux aussi te laisser rattraper par ça. Et puis là, le fait d'arriver au-dessus et de finir avec le trophée dans la main, ça, c'est quand même c'est quand même Ah, un c'était moment une qui est très difficile. semaine incroyable en rebondissement. En plus, j'avais ma femme qui m'attendait en cachette au
au 18, à ce moment-là, non, c'est des super souvenirs. En plus, dans le champ, il y avait des très bons joueurs. Donc, je regarde toujours les résultats avec, toujours avec fierté. C'est des bons moments. Mais pour te rejoindre sur le coaching, c'est vrai que l'anticipation, c'est une clé très, très importante. Et ça fait partie du coaching que j'essaye, comme toi, de transmettre. On anticipe si ça va mal se passer, si ça va bien se passer. En fait, le but, c'est d'arriver à rester zen. Alors, c'est facile de le dire De le comme ça, dire, mais c'est pas facile à faire. Ouais. C'est pour ça que il faut avoir des clés. Il faut avoir des clés. Hein. anticiper, c'est important parce que c'est très facile de dire ouais, reste dans le moment présent, reste dans le moment présent, mais en fait, comment tu fais, tu vois, quand tu n'as pas connu les éléments ou quand tu ne les as pas anticipés. Et donc, c'est pour ça que je parle souvent de l'anticipation, parce que quand tu anticipes quelque chose, tu dis ah, j'ai prévu une solution pour ça. Ah, tu vois, et puis tu vas dans ta boîte à solution finalement, et tu dis j'ai anticipé. Et plus tu peux anticiper toutes les options possibles. Bah plus tu auras la capacité de rester dans le moment présent ou revenir dans le moment présent, ce qui permet à tous les joueurs Absolument. qu'on voit à haut niveau, c'est là où en général ils gagnent. Joël Salter qui est là, qui dit la grande classe Adrien Mort, qu'un type en or, Joël. toujours de bons conseils, un bel exemple pour nos jeunes joueurs. Merci beaucoup Joël pour Ouais, ce c'est lui commentaire. l'exemple. Il a fait un sacré parcours à Berkeley. D'ailleurs, le Journal du Golf a repartagé une vidéo de lui il y a quelques années. J'ai trouvé super. Je sais pas si tu l'as vu, mais J'ai pas Joël, vu il est ça. arrivé là-bas. Il était pas du tout favori et il finit All American. Enfin, c'est une belle histoire du golf français, Joël. Génial, génial. Alors justement, parlons un petit peu de ce système universitaire maintenant. Donc, on a parlé un peu d'un de tes points forts en tant que joueur. Et puis après, il y a cette transition où là où tu vas aux États-Unis, en quelle année? En quelle année est-ce que tu décides d'aller aux États-Unis? Et alors peut-être que je crois qu'au début, quand tu étais aux États-Unis, c'est que tu avais toujours cette envie de joueur. Mais il y a eu une transition à un moment. Comment s'est passée cette transition? Alors, pour reprendre depuis le début, moi j'ai fait mes études universitaires aux États-Unis. Donc, déjà, j'avais fait 4 ans après le bac. J'étais au Pôle Espoir à Toulouse et après le bac, je suis parti là-bas. Donc, c'était un projet perso qui me tenait à cœur de faire des études aux États-Unis. J'avais un niveau qui était pas extraordinaire. Donc, je suis parti là-bas dans une petite université et en 4 ans de jeu, de compète, ça m'a préparé au monde professionnel. Je suis passé pro en rentrant, j'ai gagné rapidement sur l'Alps Tour, je suis monté sur le Challenge Tour et après 2 victoires sur le Challenge Tour, je suis monté sur le Tour européen. Donc j'ai fait ça assez rapidement, peut-être même trop rapidement. Du coup, j'ai brûlé un peu les étapes et je me suis perdu à un moment donné. En tout cas, j'ai fait de l'enseignement à partir de 2010 au golf de Prunvel. C'est-à-dire qu'après quelques blessures, j'ai ma fille qui était née, j'avais moins envie de voyager, j'avais moins envie de m'entraîner. Je crois que la clé, c'est surtout l'envie. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a une histoire d'envie, j'avais plus trop envie. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait de l'enseignement au golf de Prunvel et bon, j'ai adoré. Et bon, je faisais pas forcément du haut niveau, mais transmettre le golf, voilà, je me suis éclaté. Et après 2 ans, j'ai eu envie de reprendre le jeu. Ça me manquait quand même. Et avec ma femme, c'était un projet de vie de vivre aux États-Unis. On avait une fille qui avait 2 ans à l'époque. On s'est dit, allez, on part. Je vais aller faire les mini-tours. Je vais repartir. Et mon objectif, c'était de remonter sur le PGA Tour. Donc, j'ai remonté un pôle de partenaires financiers, etc. Enfin, comme une petite PME. Et je me suis entouré. Je suis parti là-bas. On est arrivé à Orlando, en Floride, il y a 8 ans. Et j'ai fait des mini-tours pendant 2 ans, 2 ans et demi. Mini Tour, Monday Qualify. À l'époque, c'était les dernières années, on pouvait encore se qualifier pour le PGA Tour. Donc, j'ai fait first stage. J'ai jamais passé le second stage. Enfin, en 2 ans, j'ai remonté vraiment mon niveau de jeu. Je pense pas loin de là où j'étais. J'étais affûté, je jouais bien. Et la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai épuisé mes finances. Et puis, je me suis rendu compte que, en fin de compte, il me fallait encore beaucoup, beaucoup d'années si je voulais gagner sur le PGA Tour. Donc j'ai commencé à accepter des missions avec la fédération, j'ai commencé à faire du coaching et j'ai pris un poste en université à Orlando qui s'appelle UCF, où je suis rentré en tant qu'assistant coach. Et dans un premier temps, c'était pour régler des histoires de visa parce que les visas, c'est compliqué aux États-Unis. Et voilà comment je suis rentré dans le monde du universitaire aux Au début, tu États-Unis commences dans une sans université trop réfléchir, tu en commences en Floride. Floride, ouais. Ouais, je Et tu commence commences en assistant tant coach. qu'assistant coach. Assistant coach, on m'appelle, voilà, il y a un petit poste qui se libère. Moi, j'étais en contact avec pas mal de coachs parce que pour la Fédé, et puis à titre perso, je faisais ce qu'on appelle du college placement. Donc, j'aidais les joueurs français à aller en université. Donc, je commençais à avoir une bonne réputation, en tout cas au niveau local avec les coachs parce que je suis assez sérieux, les dossiers de suivi, etc. Et puis,
C'est vrai qu'avec une carrière de un petit peu de haut niveau, ça m'a aidé. Voilà, j'avais un bon CV et le coach m'a appelé, il m'a dit voilà, si ça t'intéresse, ton profil m'intéresse. Donc en plus, j'avais même pas postulé. Il m'appelle et il me dit voilà, il y a des avantages si ça et ça. Et moi, j'ai réfléchi, je me dis c'est vrai que le visa, ça pourra aider Tu m'étonnes, pour c'est clair. obtenir la carte verte. Et voilà, j'ai pu avoir la carte verte au bout de 2 ans. Entre-temps, j'étais recruté dans une autre université au Texas qui est un cran au-dessus au niveau sportif. Et en fait, il y a un coach là-bas qui est là-bas depuis 40 ans et on va dire il est sur la fin de sa carrière. Et moi, je monte petit à petit au niveau des postes. Il me donne de plus en plus de responsabilités et je m'éclate dans mon travail. Voilà. Génial, génial. Parlons un petit peu, donc ces dernières semaines durant le confinement, j'ai eu des joueurs en live qui sont passés professionnels très jeunes, qui ne sont pas passés par ce système universitaire. Et ensuite, j'ai des joueurs comme Thomas Détry, voilà, là tu as évoqué Joël Stater, toi, Stalper, pardon, j'ai pas envie de mal prononcer son nom de famille, qui ont décidé de passer justement par ce système universitaire de 3 à 4 ans, enfin ça dépend des joueurs. Aujourd'hui, il y a Pauline Roussin, qui est numéro mondial amateur, qui est aussi dans un système universitaire. Il y a pas mal de gros, gros joueurs français là qui sont en ce moment même en université, qui montrent déjà des signes de grande carrière professionnelle alors qu'ils sont déjà, ils sont très jeunes. Quels tu dirais sont les points forts pour un joueur qui sort d'université? Qu'est-ce qu'on apprend finalement à travers ce passage universitaire, à contrario d'un joueur qui passe professionnel beaucoup plus jeune et qui passe pas par ce système? Alors deux choses. La première chose, c'est voir autre chose et gérer son temps. En université, le calendrier est vraiment super chargé et tu apprends vraiment à gérer ton temps. C'est vrai, quand tu arrives, c'est le gros choc hein, pour les freshmen. C'est voilà, bien s'organiser, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça t'apprend à être dans le jeu et dans la performance. C'est que toutes les semaines, on fait des tournois qui sont sur des parcours de très grande qualité, souvent des parcours du PGA Tour, et avec des champs de joueurs où c'est régulier qu'il y a entre 20 et 50 joueurs du top 100 mondial amateur qui sont dans le champ de joueurs. Donc ça apprend à gérer le stress, ça apprend à s'organiser, à gérer des parcours qui sont compliqués, pas forcément taper tous les poteaux à chaque coup. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, mais voilà ce que tu apprends aux États-Unis. Et puis Gérer son temps, au-delà de ça, vous avez des personnes qui sont là pour aider justement aussi les sportifs. Parce que bien parce que sûr. Pauline m'a évoqué le fait qu'au tout début, quand elle arrivait, elle avait des personnes qui étaient là pour justement lui apprendre à gérer son temps. Et ça, en quelque sorte, ça développe de la discipline aussi, ce qui est un besoin fondamental, ou en tout cas une qualité fondamentale pour un joueur professionnel. Il doit apprendre justement à être discipliné, parce que souvent le joueur se retrouve tout seul à devoir organiser son Ah, c'est temps, ça. etc. Donc il faut savoir aussi. Donc ça c'est déjà ok, top. Comment organiser son temps et être discipliné et avoir une personne qui est là pour Et en aider, qui fait, te met hors du moule. avec peu de temps, comment est-ce que tu vas optimiser en fait ton golf? Comment tu vas optimiser tes cours? Voilà, t'es pas là toute la journée et te dire bon, bah, j'ai des balles à taper. Non, non, c'est tu vas avoir 1 heure et demie. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 heure et demie pour optimiser ton jeu? Et quand tu arrives en tournoi professionnel, c'est un peu ça. Alors voilà, faut que tu ailles faire ta reco, faut que tu ailles faire, il faut que tu t'organises. Comment est-ce que tu optimises? Comment que tu te crées quelque chose qui va marcher pour toi et qui va t'optimiser voilà, en peu de temps? Je suis tellement heureux que tu viens d'évoquer ce point-là, Adrien, parce que ça, c'est pour moi un élément facteur déterminant entre les amateurs et les joueurs pros, c'est comment les deux s'entraînent. Donc, tu vois, j'ai eu l'occasion d'aller une dizaine de fois sur le circuit européen l'année dernière et d'être sur le practice avec les joueurs du lundi au jeudi et de regarder comment justement les pros s'entraînent. Et puis après, quand je reviens dans mon club à Paris, et puis là je regarde à droite à gauche, et puis je regarde comment les amateurs s'entraînent, et je me dis voilà, les amateurs ont justement ce créneau de 45 minutes à 1 heure et demie quand ils vont s'entraîner au practice, au petit jeu putting. Mais pour moi, ils n'arrivent pas à optimiser le peu de temps qu'ils ont, contrairement à un joueur pro qui fait ça de son métier, qui lui a le nombre illimité d'heures que lui investit en fait dans son jeu, comme son métier. Mais le joueur amateur derrière, lui, bah, il travaille la semaine, donc du coup, il va s'entraîner le week-end. Mais c'est un peu similaire finalement à ce système universitaire où le joueur n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a ses études sur le côté, donc c'est un peu une sorte de boulot à mi-temps. Donc, comment tu t'organises pour que les joueurs amateurs optimisent chaque minute de l'entraînement? Parce que j'ai vu des statistiques incroyables sur le fait que les joueurs, en fait, quand ils allaient s'entraîner, les joueurs amateurs, uniquement 10 à 15% de leur entraînement était réellement efficace.
Donc quand on a peu de temps, l'objectif c'est justement que chaque minute investie soit très très bonne. Donc comment tu t'organises toi avec tes joueurs? Alors nous déjà par rapport à la NCAA, on peut demander aux joueurs que 20 heures d'entraînement par semaine, c'est hyper hyper régulé. Donc évidemment que 20 heures par semaine, ça t'emmène pas au PGA Tour. Donc en fait sur les 20 heures, on a de la muscu, on a de la, C'est tout confondu, on a 20 heures? des, ouais c'est 20 heures tout confondu. C'est-à-dire qu'en tant que coach de golf, je peux demander à un joueur que 20 heures par semaine de venir. Donc déjà on fait muscu mardi, jeudi, il y a déjà 2 heures qui sautent, il reste 18 heures. Sur les 18 heures, on va faire au moins 3 tours de qualif. Voilà, ça fait 12 heures, il reste plus que C'est 4 heures parcours inclus, hein. On est d'entraînement. d'accord, c'est parcours C'est inclus sur ces parcours 20 heures. inclus, ouais, c'est parcours Parcours, inclus. sport, golf, Tout. enfin sport, préparation physique. Ouais, préparation Ok. physique. Donc en fin de compte, tu regardes, il reste que 4 heures de technique. Donc 4 heures de technique, mardi après-midi, jeudi après-midi, on fait deux fois deux séances de 2 heures où je suis là avec le trackman ou pas et on valide les distances, on fait du wedging, on fait du chipping, du putting et chacun tourne sur des ateliers. Donc en fait, j'essaye de mettre des ateliers en place qui durent pas trop longtemps, où on va dire il y a une demi-heure où ils travaillent la technique, et pendant un quart d'heure, ils vont faire un challenge ou quelque chose qu'ils doivent réussir. Donc c'est toujours, on essaye d'optimiser le temps. C'est pas on Très bien. passe 4 heures et on tape des drives et Bien puis on sûr. regarde ce qui se passe. Et après, nous, ce qu'on souhaite en tant que coach, on met des objectifs, on met des objectifs à chacun et on dit voilà, à la fin du semestre ou à la fin du mois, il faut que ça se soit réglé au niveau putting, au niveau. Donc moi je suis là en tant que conseiller, mais toi tu as du boulot de ton côté. Donc il y en a un qui a un problème technique au putting, bah, lui il va faire ses drills, mais il n'a pas besoin de moi. Il va putter pendant 1 heure ou 2 pour bosser vraiment la technique. Et moi quand je vais le voir pendant 3 quarts d'heure la semaine d'après, ou pendant une demi-heure, alors je valide, c'est fait, c'est pas fait, et pourquoi, et on passe à autre chose. Question de la part de Fred Dauchet, Frédéric Dauchet, Ouais, ouais, que tu connais bien. ouais. Il dit, est-ce que c'est 20 heures encadrées ou est-ce qu'ils ont ensuite du temps libre ou derrière ils peuvent aller Alors, c'est rajouter 20 heures encadrées et il faut qu'ils aillent de leur côté. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Les drills et puis taper 1 heure de faire 5 ou de choses comme ça, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, c'est 20 heures Donc ils peuvent encadrées s'entraîner avec le au-delà de ces staff 20 technique, heures. bien sûr. Et Ouais. on espère qu'ils le font. On Ouais, bien espère sûr. qu'ils le font. Parce Donc que, toi, comme je te disais, 20 heures, ça t'emmène pas. Ouais. tu leur donnes le plan d'action. Toi, tu leur donnes le plan d'action. Exactement. Les gars, voilà ce qu'il faut Ouais. faire. Ok. Ouais. Donc moi, avec mes élèves amateurs, et tu me dis si tu parce que tu es dans un élément d'optimisation de performance que j'adore. Moi, je pars toujours du résultat avant de partir à l'entraînement. Donc avant qu'un joueur amateur ou professionnel d'ailleurs aille même mettre les pieds sur un terrain d'entraînement. Il faut que pour moi les lois du résultat soient définies. Et donc souvent, les joueurs ont tendance à confondre qu'est-ce que c'est finalement le résultat, les résultats qu'ils recherchent. Parce que quand je vois des amateurs, par exemple, au practice, ils y vont dans un objectif de corriger quelque chose de mécanique, de technique. Et pour moi, ça, c'est simplement une action pour mener au résultat. Donc les résultats, pour moi, ce n'est pas d'améliorer sa Surtout qu'ils vont technique. pas le changer en une séance de swing. Donc c'est un C'est travail si. qui va être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ça, fais-le 20 minutes par jour. Ça sert à rien. C'est comme le footing, hein. C'est pas parce que tu vas courir 10 heures une fois que tu vas progresser. Fais-en 20 minutes tous les jours pendant 2 mois. Et Ouais, ça c'est là, on déjà. discute. Donc Donc là, c'est le. Ouais. on est sur un élément clé de la réussite, c'est la régularité, de la régularité d'entraînement qui est top. C'est, toi, tu as parlé de footing, tu vois, ma femme, elle disait toujours quand je commençais à attaquer un moment où je voulais perdre du poids, elle disait, écoute, tu vas pas perdre du poids en mangeant une salade et tu vas pas prendre du poids en mangeant une pizza. Tu vois, c'est genre, tu es sur la régularité du travail et c'est pas un repas qui va déterminer tes 10 kilos en Elle a moins. raison. Et donc c'est pareil pour le golf finalement. Quand on regarde pour le golf, c'est pas une séance d'une heure et demie qui va faire la différence. Mais encore une fois, quand on parle d'optimisation de performance, tu vois, pour moi, donc le joueur quand il va au practice, un résultat, ça peut être, ben, je veux améliorer mon contact de balle, ou je veux être plus régulier au niveau de ma trajectoire, je veux pouvoir reproduire une trajectoire de façon plus régulière. Donc Ouais. ça, c'est un résultat. Et ensuite, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière le résultat, on met le plan d'action en place. Bon, ben, est-ce que c'est technique? Est-ce qu'il y a un problème mental? Est-ce que au niveau de la prépa physique, il y a un truc à faire? Enfin, tu vois, puis je regarde les quatre piliers de la performance qu'on a évoqués juste avant, donc stratégie de jeu, mental, physique et C'est technique. super intéressant ce que tu dis, parce que les gens ont l'habitude de se réfugier derrière le problème technique et Tout le malheureusement temps. c'est pas toujours ça. Au practice, tu vas réussir t'en faire 5, sauf que quand il y a de l'eau, bah tu la réussis pas. C'est évidemment pas technique. Là, Donc je viens tu sais le regarder, tu faire vois. techniquement. Ce matin, il y a un amateur qui a mis un swing de lui sur Instagram. Il a dit, quel conseil me donnerez-vous sur Instagram? Et il y a eu genre 15 slides, tu vois, où il a posté tous les trucs.
Et le coach, je lui ai envoyé un message à la fin en lui disant, écoute, si tu écoutes les 15 conseils, je te promets, t'avanceras pas. Enfin, tu vas pas Ah non, aller c'est sûr que non. ton index. Il a eu 15 points de vue différents, d'accord? Donc, avec 15 personnes différentes. Et c'était systématiquement sur la technique. Systématiquement, c'était que technique, que technique, que technique. Et donc, du coup, ouais, donc partir du résultat et de comprendre dans quel pilier on doit améliorer pour nous permettre d'avoir ce résultat. Donc, toi, en l'occurrence, dans ta saison de golf, les joueurs, quand ils viennent à l'universitaire, est-ce que tous les joueurs qui viennent te voir ont un objectif de passer pro? Est-ce qu'il y a des autres objectifs Alors, pas derrière? tous, hein, pas tous, et c'est quelque chose que j'essaye d'être très clair quand je les recrute déjà. Et après, ça peut changer au long d'une saison et pendant 4 ans. Et j'essaie que ce soit très clair. Voilà, est-ce que tu veux devenir pro? Est-ce que tu n'as pas envie de devenir pro? Est-ce que tu sais pas et puis tu tâtes et tu vas voir? Mais c'est quelque chose qui est toujours très clair entre les jeunes et moi. Et il n'y a aucun problème s'ils ne veulent pas passer pro. Après, moi, la seule chose que je leur demande, c'est de l'envie, de l'engagement et du travail. Voilà, on s'engage à fond. C'est dommage de prendre la place de quelqu'un d'autre si tu n'as pas envie et si ça t'ennuie de le faire. Parce que les places sont chères. Hein. Toi, dans une équipe, on est entre 10 et 12 joueurs. Il n'y en a que 5 qui passent en tournoi. Et sur une équipe de 10 à 12, j'en ai 200 qui ont envie d'être à cette place-là. Donc, Tu c'est n'allais un pas peu te ça le reposer système justement cette américain. question, Hein. Le système américain qui est un peu. C'est en gros, si c'est pas toi, bah, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait bah, tu as intérêt à bosser. Et puis, bah, si tu veux pas bosser au-delà des 20 heures, c'est pas très grave, mais on va prendre quelqu'un d'autre. Et c'est, voilà, c'est, on va dire, le côté négatif du nombre. Mais qui permet en tout cas de faire du haut niveau et d'avancer. C'est tu prends le train Bah, ou c'est tu un restes là où t'es. Il y a ouais. aucun problème. Moi, un joueur vient me dire j'ai plus envie de faire ça. Il y a aucun problème. Hein, on le remplace avec un autre. En On anglais, force on dit personne. If I don't do it, someone else is gonna do it. C'est C'est littéralement. exactement ça. C'est exactement ça. Si c'est pas toi, il y en a un autre. Hein. Et moi, quand moi j'étais en université, c'était un truc que mon coach m'avait vraiment inculqué. Il m'a dit pas de problème. Hein, c'était Si tu veux pas jouer, il n'y a pas de souci. Hein. Je dis, non, mais j'ai envie de jouer. Eh ben, montre-moi comment tu as envie de jouer. En restant au lit, non, tu n'as pas vraiment envie de jouer, non? C'est en fait responsabiliser les jeunes, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire sur 4 ans, c'est de leur montrer, voilà ce qu'on pense, comment tu peux réussir. Et le but, c'est qu'au bout de 4 ans, ben, les jeunes, ils passent et ils soient autonomes. C'est le but, en fait, du coaching, en tout cas universitaire. Qui Ce sortent que avec un j'adore, c'est diplôme et puis qu'il qui y sont ait, indépendants. ouais, il y a un diplôme sur la scolarité, mais ce que j'adore, c'est qu'il y ait une vraie formation finalement de ce qu'il faut pour devenir un bon joueur sur le PGA Tour. C'est une sorte de pré-formation en quelque sorte. C'est permettre aux joueurs de comprendre la discipline, qu'est-ce qu'il faut travailler, mettre les moyens en place. Parce que le gars qui arrive dans ton université, bon, ils arrivent tous avec cette envie. Ou ses ambitions de devenir pro. Et en fait, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour réaliser Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être millionnaire, mais voilà, qu'est-ce que je fais pour l'être? C'est ce que je répète souvent. Le mec qui veut être sur le PGA Tour, bah oui, évidemment. Mais est-ce que tu fais 1 heure de putting tous les jours? Est-ce que tu fais tes stats pour qu'on puisse débriefer? Est-ce que tu fais ta prépa physique correctement, même quand je suis pas là? Enfin, il y a plein de choses. Et après, tout le monde est différent. Donc, on discute, on échange. Moi, j'ai évidemment pas la vérité. Et je suis ouvert aux échanges. S'il y a un jeune qui me dit, moi j'ai besoin de dormir pendant 24 heures pour être performant, je suis ouvert. Vous utilisez, alors je sais pas pourquoi je pense à cette question, parce que je l'ai commandé hier, mais vous utilisez des trucs comme WAP, des systèmes pour justement le recovery, Alors, on ou s'est si c'est posé pas la WAP, question. Moi, ça peut être un autre. j'ai Fever, j'utilise perso, et là, avec le confinement, j'adore parce que je peux traquer tout ce que je fais. Mais en fait, on s'était posé la question avec le head coach. Et en fait, on voulait le faire, et après on s'est dit non, mais ça, c'est un peu trop surveiller les jeunes aussi, de savoir à quelle heure ils vont. Donc c'est toujours dans l'air, mais on n'a encore pas franchi le pas, parce qu'on veut quand même laisser de la liberté aux jeunes. Et on pensait qu'en faisant C'est bon, ça, ami. ça, voilà, on les fliquait trop, et on n'a pas du tout envie de faire ça. On a envie de les responsabiliser plus que les fliquer. Donc je pense que c'est une discussion qu'on aura en équipe à la rentrée avec tous les joueurs, voir si ça les intéresse ou pas. Mais on n'a pas du tout envie qu'ils prennent ça comme du Ok. flicage. Fred Docher qui dit, tu as combien de joueurs dans ton Ouais. équipe? Combien tu en Ouais. prends pour chaque tournoi universitaire et comment tu les Ouais. sélectionnes? Ouais. Alors, la saison dernière, on était 10. Je pense qu'on va être 12 à la rentrée, là, au mois d'août, si tout se passe bien. Et on part à 5 en tournoi. On part en fait entre 5 et 6. 5, c'est pour l'équipe.
À chaque tournoi, une équipe universitaire est composée de 5 joueurs. Après, on peut emmener des joueurs en plus, mais eux joueront en individuel. Donc en fait, c'est assez compliqué d'avoir des places individuelles, donc on ne sait pas trop, on le sait au dernier moment. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment par équipe, et on emmène 5 joueurs en équipe. Après, on les sélectionne, c'est quelque chose de très ouvert, on fait de la qualif, et sur 5 places, généralement, on laisse 4 places ouvertes au score, donc on fait 4 tours. Entre 4 et 6 tours. Généralement, le premier tournoi, je sais pas, on fait 6 tours. Bon, on va dire le reste de l'année, c'est sur 4 tours. Et les 4 meilleurs, au bout de 4 tours, ben, ils partent. Et nous, en tant que staff technique, généralement, on se laisse un pic. Voilà, mais généralement, on donne au cinquième. Hein. C'est pour protéger si jamais on a notre numéro 1 qui doit faire autre chose, qui a un accident de voiture ou qui, voilà, s'il y a un problème, c'est pour protéger un bon joueur, mais Mais c'est vraiment la généralement, c'est performance qui par est mise en score. avant, c'est les scores. Voilà, tu veux Ouais, jouer, et que tu aies tu une veux jouer, bourse, pas de tu joues. bourse, ouais, c'est ça. Et en fait, on essaye de mettre cet esprit de compétition parce qu'en fait, il n'y a rien de pire. Alors, pas toutes les universités font ça. Hein. Des fois, il y a des universités, il y a un seul spot ouvert et le coach, il en sélectionne quatre. Hein. Il n'y a pas de modèle. Il y a beaucoup de coachs qui font les choses différemment. Nous, à TCU, c'est très ouvert parce qu'on estime que la compétition est très saine. Et s'il y a un très bon joueur, il n'arrive pas à se qualifier déjà au sein de son équipe, c'est qu'il a un peu de travail à faire de son côté. Et donc, du coup, ça lui fait pas de mal de rester à la maison pendant un tournoi. Mais voilà, les tournois, c'est quand même le nerf de la guerre. S'il y a un conseil à donner aux jeunes qui veulent partir aux États-Unis, c'est trouver une université qui correspond, où on pense qu'on a de grandes chances de se qualifier dans le top 5 à chaque fois. Parce que les mauvaises expériences qu'on peut voir d'Européens ou d'autres personnes qui rentrent chez eux, généralement, c'est qu'ils ne se qualifiaient pas dans le top 5, donc ils avaient tapé un peu trop haut. Ou alors, au contraire, qu'ils avaient pris une université qui était pas très bonne et ils sont numéro 1 tout de suite. Ils sont pas challengés et ils progressent pas. En Ouais, fait, la vraie difficulté. ça va être une de mes questions. Est-ce que ça t'est Ouais. déjà arrivé en tant que coach de voir 3-4 joueurs arriver? Donc, je dis ça parce que je pense en ce moment à, tu sais, sur Netflix, il y a The Last Dance de Chicago Bulls qui fait beaucoup de Ouais. bruit. Et moi, je suis un éternel fan de basket. J'étais basketteur semi-professionnel quand j'étais plus jeune. Et donc, je pense à Michael Jordan qui, à l'âge de 15-16 ans, s'est fait cutter de son équipe de high school parce que voilà pour les multiples raisons que le coach lui a donné, et puis ensuite il s'est voilà il a eu masse de travail pendant il Ça a lui bossé donnait de la bossé force en bossé. fait. Bon, il a aussi grandi 10 cm, hein, il a aussi pris 10 cm Ouais, sur un ça aide. coup qui a aidé. Ouais. Mais est-ce que toi tu as déjà vu des personnes rentrer en université où tu t'es dit tiens, lui il est vraiment il a un avenir qui est beaucoup plus dessiné que tel joueur, et puis en fait tu vois qu'un an ou 2 ans plus tard que tu as été surpris par l'avancée d'un autre joueur parce qu'il a investi plus de travail ou il a été un peu plus déterminé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. D'ailleurs, le PGA Tour et plein de joueurs, tu regardes les universités, il y en a, tu n'as jamais entendu parler. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Le head coach qui est là depuis 40 ans, il a plein d'histoires comme ça, il nous les raconte tout le temps en disant, ben, j'ai des joueurs. Ben, tiens, un super exemple, c'est le meilleur joueur sur le PGA Tour de TCU, c'est JJ Henry. JJ Henry qui a joué le JJ Henry qui a joué le la Ryder Cup, qui a gagné plusieurs fois sur le PGA Tour. Sa freshman year, il n'a pas fait un tournoi pour TCU. Sa deuxième année, il n'arrivait pas à se qualifier, il a fait ce qu'on appelle redshirt. Donc en fait, ses deux Il n'a premières pas fait années, un il n'a pas tournoi fait un parce qu'il n'était tournoi. pas assez bon pour jouer. Hein. La première année, Voilà, voilà, c'est pas parce qu'il était blessé ou exactement, quoi. pas se Et... qualifier, ouais. Non, pas assez bon, pas qualifié une seule fois dans le top 5. Deuxième année, un peu le même schéma, il se qualifie pas, il décide de faire ce qu'on appelle redshirt, c'est des termes techniques. Du coup, il part pas en tournoi et il perd pas d'année d'éligibilité. Donc il lui reste encore 3 ans derrière. Et au final, ces 2 dernières années, c'était le meilleur joueur de l'université. Il a été All-American. Il a une carrière incroyable. Je crois qu'il a gardé sa carte 18 ans de suite sur le PGA Tour. Alors que ses deux premières années d'université, il ne faisait même pas un tournoi. Et des histoires comme ça, il y en a plein. À moindre échelle, l'année dernière, avec TCU, on avait une équipe qui était plutôt très forte. Et on a gagné en individuel. On a un joueur qui a gagné le Big 12 Championship. Donc c'est la conférence où il y avait, par exemple, Oklahoma State. Donc, il y avait Victor Hovland, Matthew Wolf, et on a un de nos joueurs qui a battu ces deux joueurs-là. Alors qu'en début de saison, il ne se qualifiait pas pour un tournoi. Il a travaillé très dur l'hiver, il est revenu, il a monté sa confiance. Et finalement, il a fait les 10-18 derniers trous avec Victor Hovland et il l'a battu. Enfin, voilà, gros, gros, gros niveau. Donc, même dans la même saison, c'est ce qu'on dit hein, quand on se qualifie sur les premiers tournois, ceux qui restent à la maison bossent dur parce que tout est toujours ouvert et tout le monde progresse. Hein. Tout le monde J'imagine. progresse à son niveau.
Question de la part de Laurent Poncelet, que tu connais bien. Il y a des bons amis qui sont là ce soir. Et Lolo. ensuite, je Ouais. prendrai ensuite la question de Yvan, parce qu'il a posé une bonne question aussi sur la personnalisation. Comment vous personnalisez les Ouais. techniques suivant les joueurs que vous avez devant vous. Mais Bien question de la part sûr. de Laurent Poncelet qui dit: Bonjour les amis, salut Adrien. Tu prépares et planifies les saisons combien de temps à l'avance? Utilisez-vous des techniques et ou technologies particulières pour manager, coacher et suivre les joueurs? Ouais. Alors, un an à l'avance, en fait, on organise les tournois. Et ça, au niveau coaching universitaire, c'est très important parce qu'il y a des tournois plus ou moins forts pendant toute la saison et c'est nous, les coachs, qui décidons où est-ce à quelle période. Donc ça, c'est un peu un casse-tête parce que pour se qualifier en post-season, c'est-à-dire la NCA, conférence régionale et NCA, il faut qu'on ait battu plus de 50% de nos adversaires en fin d'année. Si on n'a pas battu 50% de nos adversaires, on peut pas aller jouer la NCA. Donc ça, c'est un casse-tête parce qu'il faut arriver à juger l'équipe qu'on a, se dire, voilà, il faut faire des tournois forts parce qu'il faut se préparer à la NCA, mais il faut aussi qu'on fasse des tournois pas trop forts pour gagner un maximum de confrontation pour être au-dessus de 750% et pas avoir le stress sur les derniers tournois en se disant, voilà, on veut se qualifier. Donc c'est vrai que ça se calcule à peu près un an à l'avance, on demande des invitations, on fait des échanges d'invitations, on va là, mais si on va là, ben on va pas à un autre, mais on pourra peut-être pas retourner l'année d'après. Donc c'est tout un calcul. Donc voilà, à ce niveau-là, faut bien savoir, il faut arriver à anticiper le niveau de l'équipe. Donc, je ne sais pas si c'était sa Oui, bien question, mais sûr, oui, bien sûr. ouais, on prépare ça à l'avance. Et après, pour suivre les joueurs, alors on les suit, on leur recommande de Tu jouer un parlais de maximum de stats, tu parlais tournois. de stats tout à l'heure, ça c'est Ouais. intéressant aussi d'en parler aussi, ouais, les stats. Alors, on a une app qui s'appelle Birdie Fire. Voilà, c'est ce qu'on utilise pour faire les stats. Donc, après, en fait, on a le live scoring en qualif, on a le live scoring souvent en tournoi. C'est soit Birdie Fire, soit Golf Stat. Et puis chaque joueur, après les tournois et les qualifs, ils rentrent leurs stats. Et on va dire le travail technique du mardi et du jeudi, il est beaucoup basé là-dessus, il est individualisé. Donc pour recouper avec l'autre question aussi, c'est qu'on individualise en fonction des stats, en fonction de ce que je vois sur le parcours aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de discuter avec le joueur. Et souvent, ils ont pas la bonne, ils ont l'impression qu'ils drivent mal, alors qu'en fait, dans le driving, ils tapent 75% des fairways, ce qui est très bon. Par contre, ils ont leur fair 8, ils n'en mettent pas un sur green, ils sont courts à droite tout le temps. Donc voilà, ça c'est les stats que... Donc je passe pas mal de temps à lire les stats sur Birdie Fire et aussi à débriefer avec les joueurs parce que c'est intéressant de voir ce qu'ils en ont ressorti. Et après, on discute et je peux leur montrer les stats et ils sont pas toujours d'accord. C'est ça qui est rigolo. C'est que tu leur montres les stats, ils disent non, non, mais je drive mal. Bon. Est-ce que tu fais un système, donc, parce que moi avec mes joueurs dans mon académie, j'ai un système de feedback que j'utilise avec tous mes joueurs. Alors suivant le niveau du joueur, il est plus ou moins simple ou il peut être plus ou moins complexe pour vraiment entrer en détail. Comme tu le dis, quand j'ai un joueur qui veut passer pro, ben là on va rentrer un peu plus dans les détails des stats et donc pour vraiment Ouais. qu'on puisse approfondir ce travail-là. Quand j'ai un joueur qui est peut-être entre 10 et 20 handicap, qui cherche juste à descendre son handicap, ben je lui offrirai un système un peu plus simple. Mais en quoi qu'il arrive, je dis toujours que c'est très important de savoir comment analyser sa partie et de Ouais. comprendre dans quel secteur, non seulement le secteur de jeu qui n'allait pas, mais de comprendre le pilier sur les quatre piliers de performance que je t'ai cités avant. Donc je les rappelle pour les personnes qui viennent de se connecter, l'aspect physique, mental, stratégie, du coup Ouais. technique, de Ouais. comprendre quel pilier n'allait pas. Parce que le joueur qui fait des bonnes mises en jeu toute la journée et que tout d'un coup il arrive sur un trou, il est un peu sous pression parce qu'il va jouer sa meilleure carte ou il est en position pour gagner comme tu l'as été à plusieurs reprises et que tout d'un coup il en lâche une à droite alors qu'il fait que des draws et là il en lâche une qui est à l'opposé de sa trajectoire initiale et que la balle part vite, bon ça sert à rien que ce joueur on travaille sur la technique, on va travailler peut-être sur la stratégie de jeu ou sur l'aspect mental à travers une meilleure routine, enfin on Ouais, met tout ça dans exactement, ouais. place. Sur la routine, hein. Qu'est-ce que toi tu fais à la fin d'une partie de golf ou à la fin d'un tournoi pour permettre aux joueurs de mieux savoir, de mieux s'évaluer et de comprendre quel axe Ouais. de travail ils doivent prendre, en dehors du fait qu'on lit les statistiques? Ouais. Alors, il y a aussi un autre point qui est très intéressant avec les stats, c'est savoir lire les stats. Par exemple, quelqu'un qui dit, oh, j'ai énormément de putts, là, j'ai mal putté. Non, c'est juste que tes coups de fer étaient très loin, donc évidemment que tu vas faire beaucoup de putts. T'es trop loin du Donc, drapeau. ouais, très loin du drapeau. Donc, les stats aussi, il faut savoir les lire. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours essayer de débriefer. Alors, ça peut être en 2 minutes, en posant une petite question, comment ça s'est passé, mais voir l'état d'esprit du joueur. Et souvent, tout de suite après la partie, quand le joueur il est un peu énervé ou frustré,
J'ai remarqué qu'on tire pas grand chose de bon, donc je laisse dans cet état-là. Et le lendemain ou le surlendemain, on reprend les stats en main et on dit voilà ce qui allait pas, voilà ce qui allait, parce qu'il y a toujours des choses qui vont bien. C'est quand même du haut niveau. Donc le but c'est pas non plus de rabaisser tout le monde et de dire écoute là ça tu l'as fait très bien, il faut continuer dans cet axe-là. Là c'était moins bien. Et c'est intéressant ce que tu dis avec l'histoire de technique, mentale et etc. et physique. Mais c'est vrai que les gens ont tout de suite tendance à ramener à la technique, alors qu'en fait, voilà, faut savoir, comme tu dis, s'il y avait limite à droite, de l'eau à gauche, et que c'est le 18 et que tu es moins 4 et qu'il faut absolument que tu joues sous par, c'est pas forcément technique. Donc après, par des routines ou par des choses comme ça, on peut aider les joueurs. Et l'avantage, c'est que moi, je suis avec eux tout le temps en qualif, je suis avec eux tout le temps en tournoi, donc j'arrive à voir au bout de quelques semaines. Je me rends compte un peu de l'état d'esprit dans lequel ils sont et s'il y a des endroits à les emmener et à creuser à certains endroits pour qu'ils améliorent des parties ou pas. Il y a des joueurs par exemple qui sont très agressifs et ils ont du mal à le reconnaître. Donc souvent au début sur les premiers tournois, je les laisse taper les par 5 en 2 et une fois qu'ils ont fait 3 ou 4 fois 7, bon ben là on va pouvoir discuter. Mais si j'arrive Ça, c'est sur le coup, je dis intéressant non, par non, là contre, il faut. tu leur Ouais. laisses prendre la leçon, quoi. Enfin, tu leur laisses, ok, ce Ouais, jour-là, parce que pour connaître le stress, il faut l'avoir vécu et puis pour connaître, voilà. Donc c'est vrai qu'au début, les premiers tournois, les scores sont pas toujours bons parce qu'on essaie de laisser les joueurs, en tout cas au moins un tour. Et le lendemain, je vais marcher avec eux, voir si je peux leur. Toi, j'ai des joueurs en tête là que je partagerai pas forcément les noms, mais j'ai des joueurs, voilà, je leur ai laissé faire des bêtises clairement, un coup de bois dans le rough alors qu'il y a de l'eau, le mec il a aucune chance de passer. Et même s'il passe derrière, il aura un chip super dur. Donc, mets un petit coup de wedge derrière et 1300 mètres, et puis tout va bien se passer. j'adore Donc ça parce voilà. qu'en Et c'est fait, c'est aussi pour ça. apprendre, c'est laisser Ouais. le joueur apprendre de l'erreur pour Ben que, oui, en parce que fait, sinon il dans un apprend moment jamais. plus important, du Ouais. coup, il a vraiment. Et puis le fait que, Ouais. j'adore ce que tu viens de dire, et une grande intelligence de coaching, là, de dire, bah voilà, en début de saison, on sait très Mmh. bien que les scores vont pas forcément être au rendez-vous, Ouais. mais on l'a anticipé, et on a Mmh. l'intelligence de l'anticiper, et on sait que justement, bah, ce travail-là, il va C'est pour ça que dans s'effectuer. la planification de tournoi, il ne faut pas qu'on se trompe aussi. Voilà. Et les C'est génial. saisons, c'est septembre-octobre, et après on a février-mars-avril, et le but, c'est d'arriver affûté au mois d'avril, parce que c'est là où il y a conférence régionale et Exactement. nationale. Donc il faut être affûté au mois d'avril, donc il y a pas mal de périodes. Septembre-octobre, on se découvre, on regarde un peu ce qui se passe. Novembre-décembre, on va bosser le physique beaucoup plus lourd, on va changer les clubs s'il y a besoin, ajuster. Technique aussi, on va passer plus de temps à bosser de la technique. Enfin voilà, après il y a des périodes un peu. Après on revient au mois de janvier, on est plus dans la vitesse, on est dans le moins lourd sur la prépa physique, et puis on revient dans le jeu, dans la qualif, et on change plus les clubs. Ouais, c'est les différentes zones Mmh. de saison qui arrivent. Ouais, ça c'est top. Et ça me fait un peu penser aux équipes de Mmh. basket qui en fait, en saison régulière, voilà, il va y avoir des moments de pic. Mais en fait, surtout, ce que le coach et toute l'équipe font, c'est qu'ils veulent Ouais. vérifier qu'à chaque fois, ils disent en anglais, « We want to be ready for the Ouais, playoffs ». Tu vois, à chaque fois, c'est ça. Bah, nous, c'est pareil. Hein. c'est cette mentalité de « Quand on est prêt on est au pour les… départ du 1 de chaque qualif, en fait, le head coach qui a 40 ans d'expérience, il dit aujourd'hui, vous jouez comme si c'était la NCA. Et il le répète tout le temps, tout le temps. Il dit aujourd'hui, la qualif, c'est comme si c'était la NCA. Aujourd'hui, c'est la finale. On y va. C'est le dernier tour. Aujourd'hui, il faut bien jouer pour gagner. On y va. Et toi, de les mettre Dans cet état. dans cet Alors, état d'esprit, le jour où tu arrives, bon, bah, c'est plus facile. Hein. ça c'est top parce que du coup j'ai une question de la part de Clem Carbo qui s'est connecté Ouais. et qui parle de l'entraînement. Donc ça Mmh. transitionne bien parce que tu vois, tu parles du head coach qui met les joueurs dans un état de ok, les gars, vous jouez comme si c'était la Ouais. finale. Là, Donnez-moi Clem tout, ouais. dit avez-vous des exercices pour mettre la pression pendant les entraînements? Donc je suis l'exemple parfait du bon et Ouais. l'entraînement. Donc, je suis l'exemple parfait du bon à l'entraînement et bras qui Ouais. tremblent en match. Donc, pour un peu structurer un peu plus cette question, c'est les notions de l'entraînement où le joueur dit, Lewis, je comprends pas, au practice, tout se passe bien et j'arrive sur le parcours et là, rien ne va. Comment est-ce que toi, tu intègres dans tes entraînements en sachant que tu as 20 heures avec toi un plan d'action où il y a à la fois un travail mécanique et technique, mais il y a également de la performance pour mettre le joueur en condition comme s'il était sur le parcours, en sachant qu'évidemment, ce ne sera jamais la même chose, mais comment tu fais pour intégrer cette notion de pression dans les entraînements? Donc toi qui aimes le basket, Michael Jordan, il disait que c'était plus dur à l'entraînement qu'en compétition. C'est un peu ce qu'on essaie de reproduire. Donc en fait, on fait au moins une fois, voire deux fois par semaine, on fait ce qu'on appelle des challenges.
C'est des challenges sur le parcours où, par exemple, on y va. Alors, soit j'enlève les sand wedges, soit le hors limite il est à droite, donc tout le rough à droite sur tout le parcours c'est hors limite. Soit le joueur, à chaque fois qu'il attaque un drapeau, il doit définir avant de taper est-ce que le côté droit ou le côté gauche du drapeau est hors limite. Donc en fait, on fait un parcours qui est plus dur que la réalité. Et donc ça élève le niveau stress, le niveau d'attention. Et après, quand tu vas jouer en tournoi et que le parcours est wide open, qu'il a plus ces choses-là, bah c'est plus facile. Donc on essaye de créer en fait du stress supplémentaire pour monter le niveau d'attention et pour que ce soit plus facile Ça, c'est sur le parcours, par en contre. Ça, c'est sur le parcours. ouais c'est sur le parcours ouais. Et à l'entraînement, sur les zones d'entraînement, putting, practice, petit jeu, est-ce que tu as des exercices ou des tests? Parce que tu parlais de tests et moi, j'adore ça. Ouais. Parce que tu vois, c'est, voilà, tu as une balle, tu as un club ou une balle. Et si tu es au petit jeu, sans much putter, voilà, on part pour un stroke play sur 9 trous. C'est un exemple, un banal que je suis en train de donner. Ça va plus loin que ça. Mais Ouais. est-ce que vous avez des choses sur les différentes zones d'entraînement? Parce que tu vois, je parle toujours Alors de là, l'exemple de Victor ouais. Dubuisson. Tu vois, Victor Dubuisson que tu as dû connaître aussi à une bonne époque. Ouais. Moi, je l'ai connu à l'époque où je jouais en Grand Prix, parce qu'on était presque de la même génération. J'ai 2 ou 3 ans de plus que OK. Victor, mais je le voyais souvent en Grand Prix. Pendant des heures, jouer avec ses potes en mode pétanque, tu vois, genre autour des greens, en petit jeu, se mettre un peu la pression, mettre un petit enjeu, faire quelque chose. Et Victor a Ouais. souvent été critiqué tu vois, en disant que c'était pas un taffeur, alors qu'en fait, il avait sa façon de travailler, il se mettait tout le temps en condition de jeu. Lui, ce qu'il adorait, c'était le jeu, le jeu, le jeu. Il pouvait jouer 36 trous par jour, et ensuite, quand il allait Ouais, c'est s'entraîner, ça. Et puis le meilleur entraînement, c'est quand même le parcours. Donc après, nous, quand on fait nos séances, on finit toujours par des petits challenges. Par exemple, combien de potes tu vas mettre de suite en 20 minutes à 1,50 m? On a des cibles qu'il faut taper avec les wedges. Combien il te faut de balles pour taper toutes les cibles entre 60 et 100 mètres? On a des exercices avec des trajectoires, avec des points. Voilà combien de balles tu vas mettre dans les zones qu'il faut. Donc ça, on finit toujours les séances d'entraînement avec ça. Mais c'est vrai que moi, je crois beaucoup à l'entraînement sur le parcours. Et moi, j'étais un peu comme ça aussi en tant que joueur. Bon, le practice, c'est bien pour s'échauffer, pour faire voilà, bosser ses gammes techniques. Mais il n'y a rien de tel qu'en situation où practice, tu ne peux pas apprendre à gérer 3 birdies de suite ou faire un triple et derrière rebondir. Tu ne l'apprends pas Et au c'est ce que practice. Donc, c'est toi et vrai que le parcours, Victor c'est ont appris à important. faire, appris à apprendre à devenir des joueurs de Ouais, golf, tu alors vois. Victor, mieux que moi, mais. Non, mais il y a ces moments où il est Mais en c'est vrai que. Ouais. WGC, puis il fait ses coups dans le cactus. Et en fait, il faut savoir que ces coups-là, Ouais, incroyable. alors peut-être pas dans le cactus, mais ces coups-là, Il a déjà il fait doit être 100 sur. fois. Ouais, il les a déjà. C'est ça le truc. Et ça, t'apprends pas à le faire sur un tapis de practice. Et c'est là où Exactement. je veux vraiment que les joueurs amateurs qui écoutent réalisent que dans une séance d'entraînement de 1 heure, rester sur un practice pendant 1 heure, ça ne va pas développer vos habiletés de joueur. Tu vois, Ouais, il enfin, faut être créatif, faut changer de être cible créatif, changer souvent. de Ou, cible, voilà, c'est on ça, part sur le changer. parcours, voilà, aujourd'hui pas de bois, aujourd'hui pas de sand wedge. Bah, si ton club le plus ouvert c'est un fer neuf, il va falloir être intelligent sur le parcours et puis réfléchir avant de taper où est-ce que je vais me mettre. Et puis bah, quand tu as besoin de faire un coup lobé avec ton fer neuf, bah, il faut que tu te débrouilles et voilà, faut être créatif. Alors Damien Perrier qui est là, qui dit Adrien, Damien, peux-tu salut! Adrien, peux-tu nous donner le joueur le plus pur que tu as pu découvrir? Alors peut-être t'as deux réponses en tant que Ouais. joueur et peut-être en tant que coach. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des Ouais, joueurs qui te alors viennent à l'esprit? en tant que joueur, et moi j'ai grandi avec ce joueur-là qui dominait l'Europe, c'est Colin Montgomery. J'ai eu la chance de partager avec lui une partie à l'Open d'Autriche il y a longtemps. Et c'était assez incroyable parce qu'il passait très peu de temps en practice et sur le parcours, j'avais l'impression qu'il avait une grande maîtrise sur tous ses coups. Un tempo exceptionnel, donc ça m'avait assez marqué. Colin Montgomery, Tempo, c'était vraiment quand moi je son jouais, truc, ouais. ouais, et puis trajectoire de balle. Je me souviens d'un par 3 en Autriche qui était très long avec beaucoup d'eau à gauche, un green un peu en île, mais beaucoup de place à droite. Il y avait un vent droite gauche. Tous les joueurs finissaient 30 mètres à gauche. Et lui, il a fait un slice au-dessus de l'eau et il a fini au drapeau. Enfin, tu dis, contrôle de trajectoire. Incroyable. Donc Montgomery et puis après c'est vrai que récemment au niveau universitaire pour sa technique particulière c'est Matthew Wolff. Matthew Wolff de par sa puissance et de par son swing un peu atypique, sa bonne humeur. Là j'ai eu la chance de le croiser pas mal en tournoi et j'ai été coach assistant à la Palmer Cup à Évian où il faisait partie de l'équipe américaine donc j'ai passé aussi un peu de temps avec lui. C'est un gars qui est très sympa.
Et puis voilà, il a Tu déjà connais son gagné sur coach, le PGA Bjorn Tour. Borgas? Alors, je le connais d'Instagram, mais pas personnellement. D'accord, Hein. Ouais. ok. Mais je suis parce que c'est un peu atypique et c'est voilà, c'est intéressant. Il y a pas, ça prouve qu'il n'y a pas de vérité et que le but, c'est de se connaître. Hein. Et en fait, là où Matthew Wolff et puis les grands joueurs, et Victor Hovland que j'ai pu croiser aussi et d'autres joueurs que j'ai pu coacher, c'est que les mecs, ils se connaissent parfaitement, ils savent gérer leurs émotions. Et c'est intéressant ce que tu disais avec les quatre paramètres, parce que c'est vraiment ça, c'est pas de la technique le golf. Hein. Si c'était que de la technique, ça se saurait. Et ceux qui passent des euros practice seraient numéro un mondial, c'est pas ça. Mais les mecs, ils se connaissent, ils savent que bah, voilà, là je suis stressé, j'ai de l'adrénaline. D'habitude, je taperais un fer 6, mais là c'est un fer 7, parce que je sens que je suis stressé. C'est des choses comme ça où. C'est Cool. voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Comment tu gères la personnalisation de swing? Parce que tu parlais de Matthew Wolff. Donc, tu as des joueurs qui arrivent dans ton université, qui ont des swings différents, c'est des personnalités différentes. Bien sûr, hein. Comment tu utilises ton expérience et ton passé de joueur et maintenant de coach pour te permettre de vraiment trouver la bonne façon d'attaquer la technique avec un joueur? Alors déjà, quand un joueur il arrive en université à 18 ans, moi, soit j'ai déjà recruté depuis 3-4 ans, donc j'ai suivi son évolution, j'ai eu pas mal de contacts avec son coach technique, donc déjà je connais bien le joueur au niveau techniquement, je sais ce qu'il a bossé, je sais de là où il vient. Et quand il arrive à 18-19 ans, généralement c'est des joueurs qui sont déjà calés, donc moi je vais rien révolutionner, je vais continuer à bosser dans le même sens, donc soit je prends le relais de l'entraîneur et on continue à bosser la même chose, ou le joueur garde son coach technique et moi je fais le relais avec le coach technique et on continue de bosser. Mais T'as une communication l'idée avec le c'est coach? T'as une communication avec le coach C'est important parce qu'après, il y a des. une synergie. Voilà, moi, je passe beaucoup de temps, comme je disais tout à l'heure, avec les joueurs sur le parcours et je vois comment ils réagissent. Donc, ça, je peux apporter pas mal au coach technique qui, lui, n'a pas forcément la chance de savoir comment le joueur réagit. Et puis, moi, je peux dire, voilà, ça, je pense que sous pression, il ne le maîtrise pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu en penses? On change, on ne change pas. Là, il drop énorme à l'intérieur, alors que sur le practice, quand tout va bien, il ne le fait jamais. Voilà, donc c'est des échanges avec les coachs techniques. Donc soit je prends le relais et je m'impose, soit je laisse la relation. Ça dépend de la relation que le joueur a avec son coach. Hein. Et le but c'est d'emmener le joueur faire du haut niveau. Donc c'est aussi lui qui décide est-ce qu'il veut mon avis ou pas et on avance. Alors, question de la part de Cédric Doucet, très très bonne question. Salut Adrien, comment tu sélectionnes C'est les Cédric. joueurs? Comment tu intègres ou comment tu sélectionnes pardon, les joueurs pour intégrer TCU? Alors, chaque université en première division a 4,5 bourses. Donc ça, c'est pour toutes les équipes de golf. On a 4,5 bourses pour 10 à 12 joueurs. Donc après, dans chaque équipe, on a des donc c'est 4 ans en université. Donc on a des freshmen, sophomores, juniors et seniors. Donc chaque année, il y a des joueurs qui partent et on essaie de remplacer. C'est un peu comme un puzzle. Donc c'est assez compliqué parce que des fois, il y en a qui finissent pas leurs études, qui passent pro avant. Il y en a qui restent plus longtemps. Il y en a qui disent je viens et ils viennent pas. Donc après, c'est un puzzle. Après, moi, j'essaie de recruter au maximum et être prêt si jamais j'ai une place qui se libère. Donc je m'intéresse énormément au recrutement. C'est normalement juin, juillet, août. C'est des grosses périodes de recrutement où je parcours le monde pour essayer de suivre un maximum de tournois juniors où je peux voir voilà, les jeunes qui ont 14, 13, 14, 15, 16 ans. Et j'essaye d'identifier des choses qui me plaisent, voir les attitudes, échanger avec les coachs, voir où est-ce qu'ils en sont, les projets de chacun, parce qu'il n'y a pas tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, hein, pas tout le monde veut aller en université. Donc si je veux recruter un joueur qui lui veut pas du tout y aller, je vais pas, voilà, faut que j'ai l'info pour pas perdre non plus mon temps et je puisse passer à quelqu'un d'autre. Donc après, voilà, c'est un puzzle. J'ai 4,5 bourses. Il y a des joueurs qui sont sans bourse, il y a des joueurs qui sont en pleine bourse. Et après, c'est de savoir qui peut payer quoi. TCU, ça vaut 65 000 dollars à l'année. Donc, par exemple, un joueur européen sans bourse, enfin, notamment un joueur français, t'as pas un parent français qui met 250 000 dollars de côté pour que son fils aille faire des études, parce que les études sont gratuites en France. Ça n'existe pas, enfin, Alors même qu'aux dans États-Unis, toute l'Europe. c'est très commun pour les Voilà. familles de mettre Ouais. beaucoup Voilà, d'argent des de côté familles. Donc, pendant je peux longtemps. recruter un Américain, par exemple, qui lui va payer plein pot. Parce que voilà, ses parents avaient prévu qu'il paye l'université et voilà, si je veux recruter des Européens, généralement, il faut avoir des bourses assez importantes. Après, il y a aussi c'est au mérite, hein, donc il faut voilà, faut que je puisse le justifier à mon administration. Je suis pas seul décideur,
je propose, et après on me dit bah voilà, pourquoi est-ce que celui-là tu lui proposes 100%, après à moi d'expliquer, et on fonce ou on ne fonce pas. Mais c'est un jeu qui est intéressant, qui fait partie aussi du boulot, le recrutement. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir pas mal de connexions dans le monde entier, donc je me considère plutôt comme un bon recruteur, et voilà. Alors je rigole parce qu'il y a Yvan Tchémaignan qui dit un mec qui reprend ses Ouais, études à à Yvan. 48 ans. Un mec qui Ouais. reprend ses études à 48 ans, il a une chance. Ah bah, un mec comme Yvan, sans problème. Alors, Avec les fracas qu'il met, on est bon. est-ce que dans le recrutement, justement, tu parlais des Européens, donc évidemment français, tu as évolué sur le tour européen, tu as toujours beaucoup d'attaches en France, même si tu habites aux États-Unis depuis une grande période de ces dernières années maintenant. Est-ce que tu es en communication avec des acteurs importants de la Fédération française de golf sur l'avenir de certains joueurs qu'ils ont? Tu vois, est-ce que tu facilites les choses à travers les très très bons joueurs qui ont envie d'aller, les très bons joueurs français, hein, qui ont envie d'aller aux États-Unis? Voilà, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une communication entre la Fédé et les grands coachs français qui sont basés aux États-Unis? Oui, bien sûr. Ouais. Déjà, moi, je les connais depuis longtemps parce que j'ai fait partie des structures fédérales. J'étais en pôle, j'étais en équipe de France. J'ai moi-même coaché l'équipe de France avant de coacher en université. Donc, j'ai toujours eu avec la DTN ou avec les coachs, on se connaît très bien depuis très longtemps. On partage beaucoup de des mêmes valeurs. Et c'est vrai que j'essaie d'être en contact. Donc, quand ils ont des questions sur les règles de la NCA, j'essaie de répondre rapidement. Ou quand ils ont des questions sur des joueurs, je peux les orienter, que ce soit dans mon université ou pas. Et j'aide avec plaisir en disant, voilà, c'est une université, voilà ce qu'elle va pouvoir te proposer. Celle-là, peut-être ça. Et en recrutant des joueurs français, notamment, là, on a un joueur à TCU qui s'appelle Aymeric Lesault, qui travaille avec Mathieu Santerre. Donc, on est toujours en contact. Voilà, j'essaie de prendre des infos sur ce qui bosse, j'essaie de suivre et de faire partager tout ça. Donc oui, j'ai des contacts avec la Fédé, les coachs fédéraux ou pas d'ailleurs, pour suivre les Ouais. jeunes. Si je détecte un jeune qui sur le papier me semble pas mal, j'essaie de me renseigner qui est le coach en France, et j'essaie d'échanger pour savoir les projets du jeune, où est-ce qu'il veut aller, et voilà, et avoir les avis des coachs. Tu m'as annoncé quelque chose juste avant qu'on démarre le live qui est une Ouais. info incroyable qui va en fait changer la dynamique complète des athlètes dans les années à venir dans les universités qui ont souvent été critiqués. Pour avoir empoché en fait beaucoup d'argent alors dans les différents sports, hein, le football américain et le basket notamment. Voilà, on savait par le passé que les athlètes en université, puisqu'ils étaient considérés comme des amateurs, n'avaient pas le droit de toucher en fait de l'argent par des marques ou des business, alors que l'université en elle-même touchait énormément d'argent grâce à l'image des athlètes. Aujourd'hui, on est sur le point de changer tout ça. Il y a une règle qui a été mise en place. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce que tu m'as dit juste avant le live? Ouais, alors j'ai vu passer une circulaire de la NCA la semaine dernière qui disait que les athlètes vont pouvoir vendre leur image et toucher de l'argent de leur image en université. Donc ça, c'est quelque chose ils en parlent depuis longtemps, et là ça vient de passer. Donc en fait, en tant que coach de golf, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'USGA et le Royal et Ancien va positionner le statut amateur par rapport à ça. Et ça va changer beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a deux options. C'est soit le statut amateur reste comme il est, et donc les joueurs universitaires ne seront plus considérés comme des amateurs s'ils empochent de l'argent pour vendre leur droit à l'image. Soit le statut amateur va évoluer et les amateurs auront le droit de gagner de l'argent par différentes marques, Alors, que ce soit habits ou matériel de golf. ça change. Alors, c'est que dans le golf ou c'est dans les autres sports aussi? Basket, football Non, américain? c'est pour tous les sports. Après, Ok. le vrai problème dans le golf, c'est le statut amateur. Les autres sports, non, ça va rien changer, hein, Mais parce que c'est une marque. non, mais je veux dire, ça change énormément de choses parce que souvent, je parle tu vois, moi qui suis beaucoup le sport, le basket aux États-Unis, Ouais. souvent les coachs. Ouais. Tu vois, dernièrement, je pensais à, je crois que c'était Zion à Duke, Ouais. Zion Wilkinson qui joue maintenant pour New Orleans. Je crois que Ah, son c'est une coach lui star. avait dit, après sa première année, écoute, si tu peux passer pro, fais-le. Et souvent, ces jeunes amateurs qui viennent de milieux défavorisés où ils ont, tu vois, ils ont des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens,
Et souvent, ils passent Ouais. pro pour justement, en fait, Bien ils sûr. savent qu'ils ont une sécurité, quoi qu'il arrive. Et je pense que si ces joueurs-là avaient eu des contrats de la part de marques comme Nike, parce que je pense à Nike, parce que Zion, du coup, est sponsorisé par Jordan, la marque Jordan, s'ils avaient pu Ouais. avoir un financement à travers la marque Jordan, où ils avaient déjà de l'argent assuré, peut-être qu'il aurait continué ses études pour avoir son diplôme en poche à la fin ou pas, j'en sais rien, mais Ouais, bah, il y ça a aurait. plein de questions comme ça qui vont s'ouvrir après. Des très bons joueurs. Alors, tu as raison de dire que c'est surtout le football américain et le basket hein, qui ramènent l'argent dans les universités. D'ailleurs, c'est un peu le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas si la saison de football va avoir lieu comme elle doit avoir lieu au mois de septembre. Et c'est l'inquiétude parce que si elle n'a pas lieu, ça va être la panique dans les universités. Moi, dans mon université, le droit télé, c'était 40 millions de dollars pour je crois, c'est 5 matchs. 40 Donc, millions de dollars. Pour combien de matchs? 40 millions de dollars à Tissot ou pour 5 matchs. Plus à chaque fois qu'il. À chaque fois qu'il y a 5 matchs télévisés. Et après, à chaque fois qu'ils jouent, ils vendent des tickets. Enfin bon, c'est des millions, des millions de dollars. Et c'est ce qui permet à une équipe, par exemple, de golf. Nous, on va dépenser l'argent en fait, du football parce que le golf, on rapporte très peu d'argent. On le rapporte par le fundraising, mais pas à coût de 50 millions de dollars. Nike, qui sponsorise notre université, c'est surtout pour l'équipe de foot et de basket. Hein. C'est pas tellement. Nous, on en bénéficie, on est content, mais c'est pas tellement pour l'équipe de golf. Donc en fait, toutes les équipes. Elles sont liées au destin des équipes de foot US universitaire. Et c'est pour ça que les grosses équipes de golf, généralement, c'est une équipe où il y a une grosse équipe de foot, parce qu'ils peuvent, du coup, ils ont des moyens, ils peuvent faire des trucs incroyables. Et c'est lié. Hein. Et donc, pour en revenir à tout cet argent, ça va changer beaucoup de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas payés. Mais ils avaient par exemple à TCU, si je te donne une bourse pleine à TCU, 65 000, c'est même plus 70 000 dollars par an, c'est pratiquement 300 000 dollars, je t'offre 300 000 dollars sur 4 ans, ton diplôme il vaut quand même quelque chose. Plus ça, c'est sans compter à chaque fois qu'on part en tournoi, à chaque fois qu'on Tout à fait s'entraîne, nos payé. salaires, on a des trackman. Donc en fin de compte, je t'offre pratiquement 500 000 dollars sur les 4 dernières années, tu vas pas payer un tournoi. Donc c'est quand même autant tu vas toucher zéro sur ton compte en banque. Autant l'université va investir 500 000 dollars par pleine bourse. Ouais, ça Donc il y a dépend dans ça. comment le Après, comment on peut le percevoir. Ouais. moi, ce qui me fait peur à titre perso, c'est que mon jugement. Dans une équipe de football américain, par exemple, la star, c'est le quarterback. Donc lui, il va vendre son image des millions de dollars à Nike. Et puis les quatre mecs qui sont devant lui, qui le défendent, les quatre bœufs qui lui touchent pas un ballon, ils sont juste là pour les défendre par rapport aux attaquants. Eux, ils vont toucher zéro. Donc ces mecs-là, ils vont faire quoi quand ils vont se décaler? Ils vont faire, attends, moi je Ça touche va, ouais, zéro, lui il prend ça 10 peut millions de créer, dollars, ouais, c'est bah ça, vas-y, ça. va le défoncer. Donc ça va faire Ça peut créer des pas mal de histoires, ouais. problèmes. Ça peut créer Au des histoires. basket, pareil, un mec comme Zion, s'il touchait des millions de dollars, les mecs qui jouent avec lui, s'il touche zéro, il lui passe plus un ballon. Hein. Il Dans une faudrait équipe de presque qu'il y ait basket, une si tu sorte touches plus le de. ballon, Il faudrait qu'il y ait une ça cohérence de va. groupe, quoi. Il faudrait qu'il y ait une. Ouais, Du coup, ça va, comme on dit équilibre. en anglais, ça va raise beaucoup de questions. Quoi. Et je pense que la finalité, c'est pas. Voilà, il va y avoir plein de changements. C'est génial que les jeunes touchent de l'argent, mais il va y avoir d'autres problèmes au sein des équipes. Comment tu gères les personnalités l'équipe de football, l'exemple de football américain que je te dis, c'est un bon exemple. Le quarterback, lui, il va toucher des millions par Nike. Les mecs autour de lui touchent zéro. Et ils vont pas se battre De la même comme ils façon. devraient pour les défendre. Donc, parler dans le sens de cette thématique du financement aux États-Unis, Fred Dauchet qui dit les joueurs par leur performance, donc là on revient à ton équipe, au golf, les joueurs par leur performance peuvent-ils recevoir une bourse durant l'année s'ils n'avaient pas eu une bourse au départ? Ouais, c'est possible, hein. Comme j'expliquais, c'est une histoire de puzzle. Donc, par exemple, un jeune qui rentre à 50%, on va dire. Donc, c'est une demi-bourse. Et en milieu d'année, il y en a un qui rentre chez lui parce qu'il n'est pas bien et il avait une bourse. Alors soit il passe pro, soit il rentre chez lui, enfin, il peut y avoir plein de cas de figure. Bah, du coup, je me retrouve avec une demi-bourse. Et alors, soit je peux essayer de recruter quelqu'un d'autre, soit je peux la répartir dans mon équipe si j'estime qu'il y a quelqu'un qui mérite plus que d'aller recruter. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours garder l'intérêt de l'équipe. Qu'est-ce qui va faire que l'équipe va être bonne? Si moi j'estime que ça va motiver quelqu'un ou pour le remercier parce qu'il a fait des très bons trucs, je vais lui donner une petite bourse supplémentaire, mais généralement, quand un joueur est signé pour 4 ans, sa bourse est garantie pour 4 ans, et après, ça peut jamais baisser, et tu peux Ouais, recevoir c'est ça. plus s'il y a quelqu'un qui s'en va. Ça répondra à sa question, je pense. Clément Poletti qui dit: Salut Adrien, penses-tu que la rentrée universitaire se fera en août
Et si oui, c'est possible que les Français ne soient pas acceptés. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse, hein. C'est-à-dire que les présidents et les scientifiques spécialisés ne le savent pas, alors tu penses bien que moi, j'en ai aucune idée. Nous, à TCU, on va reprendre le 24 août et on espère que ça va être, que ça va être le cas, mais effectivement, il y a une possibilité qu'on reprenne plus tard, il y a une possibilité que les étrangers ne puissent pas revenir. Dans mon équipe, j'ai le numéro 1 argentin, j'étais avec lui hier au téléphone, il n'y a pas d'avion avant le 1er septembre. Donc ça, c'est une loi qui vient de passer apparemment en Argentine. Il n'y a pas un avion qui rentre et qui sort avant le 1er septembre. Nous, on est censé reprendre le 24 août. Donc si ça reste comme ça, il va louper une semaine ou deux de cours. Ça va être compliqué. Après, ce qui est très compliqué, c'est-à-dire que tous mes joueurs ont tous leur visa. Mais ce qui va être très compliqué, c'est les joueurs qui rentrent et qui, eux, n'ont pas de visa. Parce que là, je crois que pendant 2 mois, tout est mis en pause, tout est fermé. Donc les Français, ils peuvent pas aller à l'ambassade des États-Unis pour faire leur visa étudiant et c'est pas prêt d'être ouvert. Il y a déjà du retard. Donc même si ça ouvrait demain pour faire son visa, c'est pas forcément avant le mois de septembre. Donc ça va décaler beaucoup de monde. Tous les jeunes étudiants français, j'en connais quelques-uns qui devaient intégrer l'université au mois d'août, ça va être compliqué. Ils risquent de perdre un semestre et à mon avis, ça va plutôt être pour la rentrée au mois de janvier plutôt qu'au mois de septembre. Top, top. Alors, toute dernière question, puisque voilà, je ne vais pas prendre trop de ton temps non plus, Adrien. C'est un énorme plaisir Ouais. d'avoir pu faire ce live Bah avec écoute, c'est toi. Tu vois, ça sympa, ouais. fait C'est très sympa, ouais. 1h20 qu'on est en direct ensemble. C'est top. Tu vois, c'est juste plein de réponses à plein de questions que je me posais. Puis, de la part des questions de la part de l'audience, tu vois, auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, vraiment top de partager ce moment ensemble. Et là, il y a Julien Nazarian qui finit avec une bonne question sur ce live. Qui dit Adrien, on ne peut pas copier le modèle US en Europe pour plein de raisons, mais à ton avis, de quoi peut-on s'inspirer? Alors, deux choses. On peut s'inspirer des qualités des zones d'entraînement et de la préparation des parcours. Ça, c'est quelque chose qui est possible, hein. D'ailleurs, il y a des parcours en France qui sont de qualité US, indéniablement. Et la deuxième chose, c'est pareil, c'est le niveau de compétition. Donc, créer des compétitions juniors avec peut-être. Enfin, je sais que la Fédé, d'ailleurs, le fait, hein. Il commence avec des grands prix jeunes, avec des majeurs, des choses comme ça. Donc, les choses bougent, hein. Il y a des tours juniors, je pense au tour de Raphaël Jacquelin, etc. Des circuits juniors qui se créent. Donc, je pense que voilà, les deux points forts aux États-Unis, c'est les tournois et la qualité des parcours et des zones d'entraînement. Voilà. Ouais, top, top. Adrien, merci beaucoup pour ce live. Avec plaisir, ouais. Merci pour l'invitation. Non, non, franchement, grand plaisir. Puis encore une fois, d'avoir un live qui est complètement différent des lives. J'ai eu l'occasion ces dernières semaines de faire beaucoup de lives avec les joueurs du tour. Et là, pour le coup, le fait d'avoir un coach dans un système américain qui est très différent de celui qu'on connaît en Europe. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ton point de vue, de voir comment un Français, justement, qui non seulement a connu. Une carrière de joueur, mais maintenant qui est coach et qui évolue dans un système qui est atypique par rapport à ce qu'on puisse connaître et voir en Europe. Donc il y a pas mal de personnes qui te remercient. Il y a Julien qui dit merci Je peux beaucoup. Ouais, vas-y. pas voir tous les Ouais, je messages, sais. mais je sais, j'imagine qu'il y a plein de copains qui suivent, donc je leur donne le bonjour. Après, pour finir, deux, trois points, c'est que voilà, les universités, c'est évidemment pas fait pour tout le monde. Si on est suffisamment fort pour aller sur le tour, il faut évidemment pas perdre de temps et aller sur le tour. Après, c'est une super expérience. Moi, je l'ai vécu. J'ai adoré au niveau culturel, au niveau golf. J'ai plein de copains, voilà, avec qui j'étais en université, qui sont à travers le monde et ça restera des super copains toute ma vie. Il y a plein de points forts. Et les universités aux États-Unis, il y en a à peu près 1 000, hein, que ce soit première, deuxième division, junior college, etc. Donc, ce qui est important pour un jeune qui veut y aller, c'est de trouver le bon endroit où il va pouvoir faire des tournois. Donc, pas taper trop haut, pas taper trop bas pour quand même avoir des challenges, pour travailler, pour être poussé. Mais le but, c'est vraiment, il y a de la place pour tout le monde, hein, que ta moyenne de score soit 77 ou 70 quand tu es jeune, parce que nous, en tant que coach, on recrute beaucoup à la moyenne de score. Il y a de la place pour tout le monde et pas tous les joueurs de Stanford jouent le PGA Tour, et bien au contraire. Ouais, Stanford, bah, il y en a un, Tiger Woods, quoi, qui est un petit peu la référence, mais Ce que je veux dire, c'était pas obligé d'aller à ouais, c'est Stanford ça. pour Ouais, jouer c'est le ça. PGA C'est qu'en fait, Tour. il y a division 1, division 2, division 3, Bien donc il y a sûr, hein. plusieurs divisions. C'est un peu comme si
on pourrait dire l'European Tour, le Challenge Tour, l'Alps Tour. Voilà, il y a plusieurs divisions qui sont possibles, même si c'est différent et aux en plus c'est États-Unis. Pas tellement le niveau. Ça c'est C'est un ça, point c'est ça. Que je peux, C'est pour les ça que gens je disais que c'est connaissent peut-être différent. pas. C'est une question d'éligibilité au niveau de cours. Donc pour être éligible en première division, il faut quand même avoir un bon niveau au bac et passer le SAT. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il faut au moins 12 de moyenne en France et puis avoir des bonnes notes C'est au important de le SAT. préciser, c'est Et pas si juste on le n'est niveau pas de jeu, éligible, on peut jouer en deuxième division et il y a une vingtaine d'universités en deuxième division qui ont un très très gros niveau. D'ailleurs, nous, on recrute des joueurs de deuxième division, même de junior college. Là, dans mon université, on vient de recruter un Danois qui était le numéro 1 d'une université de 2 ans d'une petite université au Texas. Et voilà, il a très bien joué pendant 1 an. Donc, du coup, ben, nous, on le recrute en première division et il devient éligible en première division. Ah ouais, non, ok, donc il y a une sorte de transfert, quoi. Tu as un transfert Tout le d'université temps, à ouais. l'autre, Ouais. génial. Ouais. Ok, D'ailleurs, top. il y a un site internet qui s'appelle le Transfer Portal et chaque joueur peut mettre son nom. C'est un site internet dédié pour les coachs et les joueurs où ils mettent leur nom parce qu'ils veulent transférer voilà, d'une université à une autre. Et c'est un peu comme au foot, il y a des périodes de transfert et voilà. Ouais, génial, génial. Adrien, au top, encore une fois, un grand merci de Ouais. la part de toutes les personnes qui ont pu nous Avec regarder. plaisir. Et moi-même et toute l'équipe du Super. Journal du Golf, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour Ouais. sur les fairways. Et puis pour toutes les personnes qui nous ont regardé, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver à partir de demain. Demain, j'aurai une autre Française qui évolue aux États-Unis. J'aurai Ouais. Patricia Ah, Meunier-Leboux super. Tu lui feras des que bisous. tu. Elle est top, Patricia. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu la semaine Frenchie aux States. Tu vois. Ok. Bah, elle aura plein de super messages à passer parce qu'elle y est depuis un moment. Elle connaît bien le système et elle a quand même gagné un majeur. Donc, c'est pas rien, Patricia. Exactement, ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Un grand merci, reste avec moi, Bon, Adrien, en tout juste cas, sur ouais. Skype, mais ouais, je te laisse Ça toujours les marche. mots de la fin pour le Non, live. mais je voulais te remercier parce que j'ai pas vu le temps passer, donc tu fais un job super. J'ai eu la chance de suivre déjà des lives et suivre un peu ton travail sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je te félicite pour ce que tu fais. Je remercie tout le monde d'avoir suivi et puis à bientôt sur les fairways. Merci beaucoup, merci à tous. À On bientôt. se donne rendez-vous demain. Ciao. Merci beaucoup, ciao ciao. Ciao.